C'est un montage qui date de moi. Attends, je l'ai fait quand le montage? Attends. Attends. Faut que je retrouve le montage, attends. Attends, le début où? Le montage de la miniature, il est terrible. Hein. C'est vraiment parce que j'ai que ça. Hein. Hop. Faudrait que je pourrais voir l'avance. Il s'appelle Yannis Foucault, hein, le montage. Hein. 2019. Bah, quelle époque, hein, sans déconner. Hein. Y a aucun effort. Hein. Attends. Je l'envoie sur le serveur carrément. Je l'envoie. Enfin, un montage, sans pas plus un montage. Hors contexte. Ah, la gueule. Non, mais la gueule du montage, sans déconner. Y'a le vieux filtre tout jaune là, on dirait. Non, j'allais faire une blague. Horrible, hein. Y'a zéro effort, hein. Heureusement qu'on a appris à faire des face swap, hein, maintenant. Hein. Vraiment qu'on a préféré faire des face swap, tu l'as fait sur Paint. Ouais, bah sur Paint Point Net à l'époque, je savais pas faire. Hein. Yannis Foucault. Les abos gosses, hein. Y'en a d'autres en plus de moi, attends, regarde. Allez, y'en a d'autres, hein. T'as des tours à la tête, oui, bah c'est bon. Hein. Écoute, à l'époque, j'avais pas Photoshop. Hein. C'était des montages qui faisaient le taf à l'époque, ça va. Là maintenant, je préfère quand même les montages que je fais. L'enfer, ouais, non mais. Mais ça, mais des montages de moi comme ça, j'en ai plein. Hein. D'ailleurs, y a même une fois je présentais. Attends, regardez, hein. Une fois je présentais avec. Bon, maintenant, avec un ancien pote. Bah oui, c'est Giga Drôle. Avant, il y avait une soirée qui veut gagner des millions, j'ai demandé au patron du bar. Au patron du bar, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen que j'anime avec mon pote? On a animé. Il a ramené une perruque que de base j'avais mise moi, mais du coup, elle me faisait chier. On a animé à deux. Hein. Regarde, la photo. Hein. Oui, bon, je suis petit, hein, merde. Hein. Bon, bref, je vous emmerde. Enfin, je suis petit. C'est vous qui êtes grand, c'est pas pareil. 1m70, c'est très bien. J'ai déjà trop dessus. Ah, c'est un bon souvenir, ça. La de quand, ça le 8 septembre 2019. Hein. Voilà, c'est beau. Hein. Bref. Bon, on va lancer le jeu, parce que sinon, on va jamais se sortir. Ah, ça, j'en peux plus, cette musique de merde. Casse-toi, c'est bon. J'en peux plus de cette musique. Bon, alors attends, où est-ce que c'était déjà? À moins qu'il faut que je refasse une capture. Ah, peut-être que je refasse une capture, putain, c'est sûr. On a marre. Ça marche pas. Non. Bon, mais pourquoi ça marche pas alors? Putain, bordel, mais c'est fou ça. Oh, je sais pas genre si c'est copyright ou pas. Ta gueule. C'est copyright. Et toi, c'est copyright. Non, bon, putain, mais merde, putain, mais j'arrive pas à vous streamer le truc. Bonsoir et bienvenue, voici qui veut gagner des millions. Le principe est simple, 1 million d'euros, virtuel bien entendu, si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant et commençons. Ah non. Attends. Il faut que je refasse, attends. Point. Sacré Jean-Pierre.
Mais c'est fou quand même, genre, de dire, putain, franchement. Moi, je jouais. Moi, à l'époque, je me rappelle, je jouais sur la Wii. Putain, ça. J'étais sur la Wii avec ça. Attends, je vais bien détourer comme il faut, comme ça on est tranquille. Hop. Voilà. Et quand même, on fait un bel overlay ici, quand même. Sans déconner. C'est pas chez certains streamers qui auraient ça. Hein. On dit pas de nom. Hein. N'est-ce pas Antoine Daniel? Bref. Mec accuse. Mec qui dit. Il dit que des noms au pif. N'est-ce pas JDG, bref. Mec qui a un overlay mille fois mieux que le mien. Attends, hey, j'ai limite envie de redémarrer. J'ai limite envie de redémarrer que pour que vous ayez la scène d'intro de fou. Attends. Oh merde, vas-y, ouais, j'ai la flemme, ouais. Bon, ouais, du coup, je suis en. Bon. Moi, je suis en fenêtre, c'est pas grave, on s'en fout. Parfait. Avez-vous des amis qui souhaitent se joindre à vous pour cette partie? Très bien. Ah, je suis seul. Alors, ce sera vous, moi et l'ordinateur. Je suis seul, Jean-Pierre. Votre nom? Ouais, genre 1, c'est bien. Ouais, c'est bon. C'est quoi, attends, c'est quoi carré? Moi, j'ai pas eu carré, moi. Ah, ça va, j'ai trouvé. Je trouve du premier coup. Ah, moi, ça. Eh, ouais, Jean-Pierre en 3D, hein. 15 questions. 1 million d'euros, 3 jokers, le 50-50, c'est incroyable, hein. Un ami et le vote du public. Ça, c'est mes émotions en moi, ça. Règles. Alors, voici tout de suite la première question pour 200 euros. Il est incroyable. En 1990, Patrice Lafont présentait un nouveau jeu qui se déroulait à Fort. Alamo, à Fort Gaillard, non. Apache, Boyard, Mika. Il y a un doublage, hein. Non, mais en vrai, c'est incroyable, hein. Moi, le fait qu'il y ait un doublage, ça me. Je suis en mode. Merci les développeurs d'avoir mis ça, sans déconner. Merci les gars, parce que. Là, je m'y crois, là, tu vois. Franchement, genre, tu me mets des shaders. Bon, à la limite, tu me mets des shaders vite fait, ça passe, tu vois. Comme le député de la LFI, Louis Bouer. C'est la bonne réponse, évidemment. 200 euros. Merci. Merci, Jean-Pierre. 300 euros. Dans l'Antiquité, les sarcophages étaient des tonneaux de vin, cercueils, garde-manger, table de cuisine. Et quoi, les sarcophages étaient des... Ah, ça y est, ça commence. C'est la seconde question, hein. Je fuis. C'est quoi ces questions? Alors par contre, genre, c'est avec les anciennes règles. C'est-à-dire, t'as 5 questions. Genre, maintenant, t'as juste 3 questions, genre, ils te mettent genre 3 questions au début, tranquille. Maintenant, ils te mettent 5 questions de, entre guillemets, de merde. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos 3 jokers, le 50-50, ouais, non, mais genre, le coup de fil à un ami. Mais c'est bon, allez, j'ai valide. Eh oui, c'est bon, j'ai sarcasme, bah oui, non, mais... Mais c'est quoi, genre, t'es sur la con, je pensais, genre, qu'il y avait un piège au début, sans déconner. 500 euros. Ah mais je sais, c'est quoi un sarcophage, mais c'est juste que je me suis dit, c'est bizarre, hein. Cache-col, coupe-gorge, casse-cou, cou du lapin. Parce que, en fait, genre, en gros, le truc que moi j'avais pas compris, c'est en fait, genre, je me suis dit, c'est un cercueil, mais donc, il voulait la définition du sarcophage. Et ça j'avais pas compris la question comme ça au début, je me suis dit, bah merde, attends. Je me suis dit, ça fait autre chose que cercueil, sarcophage. Ah, attends, une écharpe qui entoure le cou et... Un cache-colle, je suppose, parce que bon, casse-cou, mais attendez. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Absolument, 500 euros. 500 euros. Cette question vaut... 800 euros. Merci Jean-Pierre. 800 euros. Dans lequel de ces bâtiments peut-on trouver un cloître? La caserne? L'école? Le restaurant? Ah bah attends, merde. Attends. Avant que je me fasse ban par le truc, attends. J'ai oublié, attends. Fallait y mettre un jeu. Qui veut gagner des millions? Jeu Xbox. C'est quoi ce nom? Aucune qui veut gagner des millions. Qui veut gagner... Non, qui gueule, j'ai écrit.
Qui veut gagner des millions? Je vous rappelle qu'il vous 2010. Reste toujours 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Oh. On va dire que c'est celui de 2010, hein. Bref. On s'en fout. Alors attends, de quoi, dans lequel de ces bâtiments peut-on trouver un cloître? La caserne, l'école, les restaurants. Un cloître, c'est quoi, c'est un cloître déjà? C'est quoi, c'est pas dans un monastère, c'est un cloître? En vrai, j'en sais rien. Un cloître, c'est quoi, c'est un cloître? Et je peux pas tricher, j'ai pas mon téléphone. Il est en train de charger mon téléphone. Il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous savez, c'est quoi un cloître ou pas, ouais? Tu sais que moi, je sais pas pour moi de vrai. Hein. Un cloître. Enfin, genre, ça me dit un truc, mais je sais pas c'est quoi. C'est un monastère, je suppose. Un cloître. Un monastère. On va dire ça, allez. Vous avez raison. Et vous remportez 800 euros. Il me dit non, hein. Il me dit non, c'est pas ça. Ah non, ah non, ah non. Nous arrivons non, au premier palier, puisque cette question vaut 1500 euros. Oh là, attends, je cherche un... L'espace entouré d'une balustrade et la barricade, le panier, la corbeille, non. La palissade. C'est qui moi? Il y a un mec qui propose un peu genre, t'as un gros genre, c'est un mec avec qui genre j'ai pas joué depuis là longtemps. Il me dit, salut, tu joues avec quelqu'un, je t'aurais proposé un multi-arena sur LOL ou autre chose si t'es chaud. Palier, bah du coup bah non, alors je prenez sais. Votre temps. Alors bon, ça se passe entouré d'une balustrade et la barricade, le panier, la corbeille, la palissade. Et vous t'étais devenu famous, c'est ça. Non, ouais, c'est un pote. Ça fait déjà un moment qu'on doit se prévoir les trucs, mais. Et le vote du public. On s'était recontacté dans ces séquence, il m'avait souhaité. Il m'avait souhaité mon anniv, bah, le 19 novembre, du coup. Il m'avait souhaité mon anniv et il m'avait dit, oh, ouais, en fait, ce serait cool, genre, qu'on se recapte. Et je fais, bah ouais. Et au final, bon, bah. Bon bah ça fait un mois quoi. Ça fait un mois qu'on t'a pas pu se reclamer. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3. Après ouais, je suis pris deux fois en ce moment. Le 50-50, ouais. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Même là mon cousin genre j'ai dû lui dire 3 semaines avant, ouais bon 3 semaines avant on se calçait de date là quoi. Après c'est vrai que bon, si je faisais moins de stream tout ça forcément. C'est N'oubliez vrai que ça pas, me prend beaucoup de temps. Vous n'avez encore utilisé aucun de vos 3 jokers. Bon, par contre, Jean-Pierre, ta gueule, putain. Alors, c'est le problème du doublage, c'est que par contre, il ne s'arrête pas. Hein. Il garde 10 secondes sans parler. Et là, il va en parler maintenant. Ah, attention. 3, 2, 1. Maintenant. Bon, il m'a frappé. Bon. Bon, pas 10 secondes, 20 secondes. Allez. Bon, c'est quoi du coup, attends. À la bourse, il se passe entouré d'une balustrade. Et ben, je sais pas moi. À la bourse. À la bourse. C'est la dernière question avant le premier palier. Alors, prenez votre temps. À la bourse, je sais pas du tout. Vous savez ou pas? Bon, je pense que non, parce que bon, mais qui c'est ça? Mais qui c'est ça? J'en sais rien, mec. Genre what the fuck? Attends, la bourse entourée d'une balustrade. Ah, on va quand même pas se foirer avant le premier palier quand même. Ça serait la honte. Ça m'est déjà arrivé, hein, plein de fois d'ailleurs. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers. Moi, j'ai le panier parce que c'est une balustrade. Donc tu dis genre, ah, c'est le panier. Derrière la balustrade. Oui, je suis dans le panier. Allez. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Mais malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Ah, c'est quoi? C'était la palissade? Juste avant le premier palier. Ah, c'est la corbeille. Alors là, ouais, bah, c'est merde. C'est vrai qu'une question n'est facile que pour celui qui connaît la réponse. Malheureusement, ce n'était pas votre cas. Ah. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un accident et que vous ferez mieux dans la prochaine partie de Qui veut gagner des millions. Ah ouais, promis, j'ai glissé. Non, mais en fait, genre, je voulais mettre corbeille. Attends, je ne vais pas retirer mon disque dur, t'inquiète. Ne retirez pas. Désolé. Eh, 48 000, on les a fait, hein. Regarde, c'est moi, taille, hein. C'est moi. C'est moi. Attends, je vais remettre mon pseudo, attends. Parfait. Souhaitez-vous jouer seul? Très bien. Alors, ce sera vous. Moi et l'ordinateur. J'ai besoin de connaître votre nom, saisissez-le maintenant.
Je remets. Attends, je vais remettre mon nom. Il est où lui? Il est là. Ah, comme ça, moi, si j'ai réussi, mes échecs ne seront pas moins. Les échecs ne porteront pas mon nom au moins. Je vous propose tout de suite de découvrir la première question pour 200 euros. Tu vois, genre maintenant c'est 13 questions, c'est plus 15. C'est dans la croyance populaire, les vampires sortent de leur tombeau. Ouais. À midi. Ouais. La nuit. Ouais. Au lever du soleil. Pour l'apéritif. Bah, pour l'apéritif. Oh, 16h, ouais. Oh, c'est l'apéro, hein. Bravo, 200 euros. 300 euros. Y'a pas glissé JP là. La méduse est un animal marin d'apparence. Ouais. Gélatineuse. Bah ouais, gélatineuse. Goudronneuse. Goudronneuse. Farineuse. Ouais, c'est un peu farineux une méduse. Hein. Et c'est la bonne réponse, vous gagnez 300 euros. Par contre, bon, les questions, elles sont vraiment bizarres. Deuxième par contre. Question pour 500 euros. Et d'ailleurs, par contre, Jean-Pierre en 3D quand même, c'est beau le ça. Le légume dont on savoure la base des feuilles est. L'artichaut. L'aubergine. La carotte. C'est l'artichaut ça. La pomme de terre. C'est pas fou, ouais, c'est l'artichaut quand même. Il est pas fou. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bon, une aubergine, bon, y'a pas de feuilles. Hein. Eh oui, je vois, mais quand même, non, mais putain, merde, quand même. Artichaut, j'ai jamais goûté. Hein. 500 euros. Alors, quand même, bon, bah, je sais que je suis con, mais quand même, bon. 800 euros. Bon, quand même, bon, entre une carotte et un artichaut, bon, je sais quoi qu'il y a une feuille. Chien hargneux et. Grand. Énervé, je sais pas. Agressif. Hein. Ouais. Gentil. Endormi. Ah, il est très 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 hargneux, Charles. Hein. Franchement. Bien joué. 800 euros pour vous. Ouais, 600 euros pour moi. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Et ça, quoi, c'est long, hein. La première question est longue. C'est une belle, genre, quand tu fais ça comme ça. Ils sont doigts à côté comme ça. Les Antillais ont une façon particulièrement appréciée de cuisiner. Oula, attention. Hein. Le boudin. Le salami. Le bacon. Alors. La mortadelle. Bacon. Pas trop sûr. Il me semble que c'est le boudin. Hein. Il me semble que c'est le boudin. Les Antillais ont une façon très particulière de parler. Je pensais genre qu'il allait dire au début, j'allais dire bon bah d'accord. Hein. Je fais bon bah Jean-Pierre. Ah, c'est notre époque, hein, la PS2. Hein. À l'époque, on avait le droit. Hein. Ah bon bah bacon, non, du coup, non. Mortadelle, ça m'étonnerait. Le salami, je pense pas. Bon, ouais, genre c'est le boudin, je pense, à mon avis. N'oubliez pas que vous n'avez le salami, c'est du porc. Hein. Votre joker. C'est du halouf. Le bacon, c'est du halouf. Ça, c'est du fromage, il me semble. La mortadelle, ouais, c'est du fromage, ah ouais, je suis pas fou. Et le boudin, bah ouais, le boudin, je pense. Ouais. Une bonne réponse, vous garantirez 1500 euros. Bien joué, vous avez atteint le. Ouais, je suis pas fou quand même. Bon, ça y est, premier palier, putain, je suis toujours sûr. Hein. Allez, bravo Jean-Pierre, merci. Vous voici maintenant à la tête de 1500 euros qui sont à vous, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant à cette question. Pour 3000 euros. Les sous. La laine de verre est généralement utilisée comme. Je sais ça. Ouais, voilà, c'était ça. Isolant. Vêtement, combustible. C'est le terme que je cherchais. Abrasif. C'est un isolant. Je suis sûr, Jean-Pierre. Réponse A. Est-ce c'est votre que c'est dernier mot, Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Vous jouiez pour 3000 euros. Eh bien, bravo, ils sont à vous. J'en ai utilisé dans ma maison. Bon, je le sais. Par contre, je sais pas c'est quoi du coup la laine de verre. Enfin, genre à quoi ça ressemble ou quoi. C'est... Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Vous avez déjà gagné 3000 euros et la question suivante vaut 6000 euros. Attention, 6000, hein, les gars, imagine. Lequel de ces animaux peut être dit rouge? Red. Le lapin? La mésange? La perdrix? La souris? Ah, attends. Comment ça peut être dit rouge? C'est-à-dire prononcer rouge dans une langue? Genre en mode par exemple, genre rouge dans une langue, ça veut dire aussi mésange par exemple. Ou alors est-ce que de couleur rouge? Parce que c'est pas pareil du coup. Les animaux peut-être dit rouge.
Bon, lapin, bon, j'ai jamais vu de lapin rouge. Souris rouge, bon, c'est pas Mickey Mouse. La mésange. Et le perdri, par contre. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers. Ah, ta gueule. 50, le coup de fil à un ami. Attends, la mésange. La mésange, ça c'est un. C'est un oiseau, ça, la mésange, il me semble. Et le perdri, il me semble que genre, c'est un. C'est pas un plus gros oiseau, la perdri. Il me semble. La perdri. Il me semble que genre c'est un oiseau plus gros que la mésange. Si ma mémoire ne me joue pas défaut. Prenez votre alors là, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos trois jokers. Et je vais muter Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais baisser sa voix. Comme ça. Bah, je sais pas du coup par contre. Entre la mésange ou la perdrix, je sais pas c'est quoi. La mésange, c'est pas rouge, une mésange. Perdrix. Vas-y, la perdrix, je tente. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous aviez 3000 euros. Et vous venez de remporter 6000. Voilà! Ma mémoire qui ne me fait pas défaut. Let's go! Eh. Y a de la culture ici quand même, hein. Étoile, t'as du souci à te faire. Pour le moment, vous avez gagné 6000 euros. Voici la question suivante pour 12000 euros. Étoile qui serait déjà au palier sur 72000. En 1974, Charles Bronson est à l'affiche du film Un justicier dans le saloon. Dans la nuit. La nuit. La ville. Voilà. Je l'ai dit ou pas? Il a même pas dit, je l'ai dit, hein. Donc on dit pas que je. On dit pas oui, tu sais pas, nanana. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, genre, j'ai vraiment dit au pif, j'ai dit la nuit. En vrai, je sais pas. Ah ouais, attends, non, un justicier dans le saloon, ça me dit, hein. Un justicier dans le train. Après, je connais pas. Tu sais pas, nanana. Ah bah oui, bah en vrai, non, je sais pas. En vrai, genre, j'ai vraiment dit la nuit par réflexe. Mais du coup, c'est peut-être ça, parce que du coup, j'ai peut-être vu. Inconsciemment, tu sais, genre inconsciemment, le truc qui m'est revenu en tête, et je fais ah, je suis dans la nuit. Euros, alors prenez votre temps. Dans la ville. De la partie, une mauvaise réponse vous coûterait 4500 euros. Ah ouais, je sais pas. Hein. En vrai, je sais rien, hein, putain, attends. Déjà, alors Charles Bronson, je sais pas c'est qui. En plus, ça me parle de film. Alors déjà, ma culture, elle est limitée parce que je suis quelqu'un de con. Alors tu me parles de film, c'est foutu. Attends, je vais répondre à mon pote du coup pour la peine. Après, je joue un peu tard si jamais t'as envie de faire, tu me dis. Là, je suis en congé. Je vous rappelle sur une semaine de nuit, donc à 34, je crois pas là. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Joker, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Hop. Alors attends, bon du coup, bon bah moi j'ai envie de partir sur la nuit du coup, vu que moi du coup genre je suis parti sur ça du coup. Je suis parti sur ça, genre j'étais à justicier dans la nuit. Après c'est peut-être dans la ville, parce que dans la ville ça sonne bien, tu vois. Qu'il vous reste encore vos trois jokers, le 50-50. Ah ouais, alors on claque un. Et le vote du public. Ou alors on claque un truc en vrai. On claque un appel, tu vois, en vrai. Voilà un avis du public. Vas-y, un avis du public, vas-y. Vas-y, allez, je claque ça. Vous faites donc dans appel le du public. Public, préparez-vous à voter pour tenter d'aider notre joueur. Réponse A. Moi, je partirais de. C'est. La nuit ou la ville. La nuit ou la ville, en vrai. Votez maintenant. Putain, si c'est la nuit, j'ai avoir le démon. Si c'est la nuit, j'ai avoir le démon. C'est bien la ville, ok. Donc j'ai bien fait de pas claquer. La bonne réponse est C. C'est à vous de décider maintenant, qu'en pensez-vous? Du coup, dans la ville, c'est parti. Et ça me dit un truc en vrai. Votre dernier mot. Ça me dit un truc en vrai. Vas-y, allez. C'est mon dernier mot. Bah, du coup, genre, c'est encore la réponse. Vous aviez 6000 euros et maintenant 12000. Ah, je suis 6 dans la ville du coup, bah je connaissais pas du tout. Ah, pas du tout. Ça me disait vaguement un truc. Après, il date le jeu en vrai. Faudrait que m'achète le nouveau là. Tout va bien. Voici maintenant la 9e question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24 000 euros. Oh super, oh là, 24 000, imaginez les gars. Le menuisier se sert de son égoïne pour... C'est quoi une égoïne? Raboter. C'est quoi une égoïne? Percer. Scier. Une égoïne. Ah non, pour scier, tu te sers une scie. Pour percer, tu utilises... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Bref, en tout cas pas ça. Pour penser...
tu utilises ponce-fesses. Et pour raboter, tu utilises une raboteuse. Mec, il parle au hasard. Hein. Bah si, je crois. Ah bon. Nigouine pour scier. Prenez votre temps, il vous reste encore deux une scie pour scier. Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Après, bon, pour percer, tu utilises une perceuse. Pour poncer, tu utilises une ponceuse. Non, je sais pas. Il y a que pour poncer. Attends, genre, tu utilises quoi, là, pour poncer, en fait? Raboter, normalement, il me semble que... Si j'ai pas de conneries, c'est une raboteuse. Scier, bon, une scie. Et percer, bon, une perceuse. J'irais poncer par défaut, parce que poncer, je sais pas c'est quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi que vous avez encore deux jokers. Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Le level, hein. Le level que j'ai. Moi, j'irais poncer. Parce qu'une égoïne poncée... Attends. On se met en situation. Tu veux faire quoi? Égoïner. Une gouine. Moi, ça me fait penser à ça. Une gouine. C'est plus à quoi ça me fait penser. Une gouine. Attends, en vrai, ça se trouve, c'est ça. Hein. Prenez votre temps, il vous reste encore deux jokers. Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ah d'accord, bon. Ouais, donc c'était vraiment une ponceuse, en fait. Attends, ils sont pas fichés en fait. Raboter, raboteuse, percer. Perceuse, ponceuse, poncer, ponceuse. Scier, une scieuse. Non, pas du tout. Scier, je dis. Ouais, mais tu dis scier pour comme ça ou t'es sûr? Bah, allez, je te fais confiance. Votre temps, il vous reste encore deux jokers. Allez, oui, n'avais j'appuie sur A. Coup de fil à un ami. J'appuie sur A. C'est votre dernier mot? Attention, A. Hein. Cacahuète, sur un 90%. Je te fais confiance. C'est parti, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez pris le risque de répondre et vous avez eu bien raison puisque vous gagnez. Oh là 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 là, cacahuète! Incroyable! Ah, mais d'où tu sais ça sans déconner? Ah, mais attends, c'est quoi une égoïne? Attends. Je vais aller voir sur le net, du coup. 4000 euros. La tension monte et ce n'est pas fini puisqu'en répondant à la prochaine question, vous pouvez atteindre le second palier. Ah ouais, mais c'est une scie. Ah ouais, mais c'est une scie. C'est une scie à une main. C'est une scie à une main. Une égoïne. Une personne volubile. D'accord. Hein. Rit fort. Parle peu. Pleure constamment. Parle beaucoup. Alors, volubile, on a volu pour volume. Ah, bile. Bile. Maintenant c'est bile. Donc là, maintenant, ça, c'est du latin. Mes cours de latin que j'ai pas fait. Ils vont me servir, super. J'ai pas fait cours de latin. Alors, le problème, en fait, genre, c'est bile. Pour moi, volubile, attends, volubile, pour moi, genre, c'est plus dans le sens beaucoup, tu vois. Pour moi, volubile, pour moi, genre, ça serait parle beaucoup. Pleure constamment, non, ça n'a pas de sens. Vous assurerez 48 000 euros de gains minimum. Rie fort, après, ça peut être possible. Et après, pour moi, genre, volubile, genre, ah, c'est quelqu'un de volubile. Tu vois, genre, je dis, ah, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Enfin, ou alors, quelqu'un, genre, qui ferait du bruit à la limite, mais quelqu'un qui rit fort. Volume. Égale beaucoup. MDR déduction du loyer. Après, bah non, volume, parce que ça, genre, tu peux avoir du volume bas. Alors, quelqu'un de volubile. Mais il me semble. Non, mais je suis sûr que c'est. Non, je suis sûr. 50 et le coup de fil à un ami. Ah, je suis sûr. À 100%. Alors, pas 100%, mais à 90%. Je suis quasiment sûr. Parce que le truc, c'est que. J'ai déjà entendu le terme beaucoup de fois, volubile. Quelqu'un de volubile. C'est. Mais je sais plus. Alors, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais genre, c'est un vieux terme. Parce que pour moi, c'est pas parle peu. Quelqu'un de volubile, ou alors ça se trouve, genre, c'est vraiment parle peu. Pour moi, c'est sûr que c'est parler. Alors, parler peu ou parler beaucoup. Ça, c'est le vrai truc, ça. Pour moi, c'est. Vas-y, allez. Parle beaucoup, je suis quasiment sûr. Eh bien, vos gains s'élèvent à présent à 48 000 euros. Et voilà. Oh là 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 là. Oh, mon chèque. Mon chèque signé par Jean-Pierre. Mon chèque. Je vais le faire imprimer. Second palier, 48 000 euros. Cette somme est à vous, quoi qu'il arrive. Vous jouez maintenant pour 72 000 euros. Je vous rappelle que vous n'avez rien à perdre en répondant à la question que voici. Ouais, ça, on n'a rien à perdre, donc autant tenter. Lequel de ces mots a pour origine le nom d'un architecte du XVIIe siècle? Soupente. Soupente. Pigeonnier. Mansarde. Alcôve. C'est mansarde ou alcôve. Je suis quasiment sûr. Pour moi, c'est mansarde. Si je pars vraiment au feeling de fou, c'est mansarde.
Le soupant est pigeonnier, je pense pas. Alcove. Non mais mansarde, non mais il me semble que c'est... Alors si tu peux te connaître, je suis sûr à 80% que c'est un... Qu'il y a un mec qui s'appelle comme ça, genre mansard, un truc comme ça. Jean-Paul Mansard. Second palier. Alors, n'hésitez pas à répondre. Je suis quasiment sûr, hein. Vous n'avez rien à perdre. Je suis quasiment sûr, moi je pars au feeling mansard. Je suis quasiment sûr, ou alors sinon genre Salkov, c'est l'un des deux. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir... Non mais regarde, il fout la pression le bâtard. Là j'ai l'impression que j'ai vraiment genre 72 000 euros entre les mains. Pour moi c'est mansard, je suis quasiment sûr Jean-Pierre. Je sais pas ce que ça veut dire, j'en suis quasiment sûr. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Je regarde dans les yeux Jean-Pierre. Vous n'aviez rien à perdre en répondant à cette question, et vous n'avez d'ailleurs rien perdu au contraire, puisque... Voilà, non mais c'est fou. Je le savais. Je le savais. Attends, c'est pas Jean-Paul Mansart, attends, si c'est ça, par contre, j'ai une culture de fou. Vous venez de gagner 72 000 euros. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Prenons Mansart, ok, Mansart avec AT. La question à 100 000 euros. Non, c'est François Mansart, bon. J'ai inventé Jean-Paul. François Mansart. Chinois. Non mais, je me disais bien que je le connaissais. Australien. Les Peuls. Sud-américain. Non, Peul, du verbe peuler, quand tu te les pelles, il fait froid. Donc, c'est oui, il fait froid. En Chine, parce que c'est plus au nord. C'est un peu c'est chinois, c'est mon dernier mot. Non, j'abuse. Alors là, par contre, les Peuls. Là, je sais pas. Un peuple, alors, africain, ça me dit rien du tout. Peul. Peul, il vient d'où? Australie. Voilà. Je pense pas que ce soit. Je suis quasi. Quoi qu'après. Que vous jouez pour 100 000 euros. Je vais passer un appel à un ami, c'est le moment d'utiliser mon joker. L'appel à un ami qui va me dire. Ça sert à rien. Un ami, je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Attention, et même les appels à un ami, ils sont enregistrés pour chaque question. Ça c'est fort par contre. Bonsoir Cécile. Ici Jean-Pierre Foucault, de qui veut gagner des millions. Bonjour Persil. Bonsoir Jean-Pierre. Votre ami joue pour 100 000 euros et compte sur vous pour l'aider à répondre. J'espère que je pourrai vous aider. J'espère que vous êtes prête, Cécile. Voici la question. Nous comptons sur vous pour donner la bonne réponse. Peu les persils. Sont un peuple chinois africain, australien, sud-américain. C'est drôle, j'ai appris ça à l'université récemment. Je suis sûre de moi, c'est un peuple africain. Merci beaucoup, Cécile. C'est à vous maintenant. Cécile. Je disais. Il s'agit de la réponse B. Mais vous, qu'en pensez-vous? Je disais, je suis sûr que c'est pas africain. J'étais sûr. Hein. Je dis, oh, je suis sûr que c'est pas africain, je suis sûr. Ah, le niveau. Non mais Cécile, je t'aime. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, elle a appris ça à l'université récemment. Bon, ça date, le jeu. Mais t'as vu, le jeu il est incroyable, ouais. Mais c'est pour ça que moi je l'adore. Hein. Tu sais que dès que j'ai vu ça, j'ai vu qui? J'ai vu là qui était réussi d'y jouer, je me suis dit, il faut absolument que je le télécharge. Et j'ai retrouvé la ROM, enfin non, le CD. Hein. Sur ma PS2 que j'ai acheté il y a longtemps. Bon, du coup, attention, il y a intérêt que ce soit bon. Hein. Merci, le. Vous avez très bien joué jusqu'à présent, et vous venez de faire encore mieux, puisque vous remportez... Oh là là, Cécile. Oh, les 100 000, on est chaud, ouais. Oh là là, ça y est. OMG, alors peut-être le million. Vous venez de gagner 100 000 euros. À 3 questions. Le droit de jouer pour 150 000 euros. Restez bien concentré. À 4, du coup. 150 000 euros. Question. 150 000 euros, allez. La finette est un tissu de... De coton. Lin. Coton. Crêpe. Voilà. Soie. Le problème, c'est que là... Vous allez dire comment il sait. Bah écoutez, ma mère était couturière. Donc forcément... Bon bah là, ça tombe bien. Du coton, aucune hésitation. Non, j'ai dit ça au pif. Voilà, c'est pas vrai. voilà, j'ai menti. J'ai dit coton au pif. Mais le dernier coup que j'ai dit quelque chose au pif. Vous pouvez, je vous le rappelle, utiliser à tout moment votre dernier. Oh, repère, Jean-Pierre. Le 50-50. Jean-Pierre, tu as bugué, Jean-Pierre. Le dernier coup que j'ai dit un truc au pif. Ça s'est bien passé pour moi. Et c'est encore la réponse B. Donc moi.
La finette, c'est fin. Fin. Qu'est-ce qui est fin du coton? J'y vais, coton. Dernier mot. Jean-Pierre, je te regarde dans les yeux. In the eyes. J'ai dit coton, je reste sur coton. Moi, je suis un homme de parole. Donne-moi 150 000 euros. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait, puisque vous venez de remporter 150 000 euros. Oh là 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 là. C'est trop. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Non, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Merde, attends, je pense que ma lettre a bugué. Merde. Incroyable. Non, mais hey, ça mérite un clip, ça. OMG, non, mais étoile. Étoile, j'arrive. Étoile, c'est la nuit de la culture, j'arrive. Je le fais avec toi, étoile. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Bon, attends, par contre, attends, voilà, ma manette, elle a bugué. C'est incroyable. Eh, mais je t'ai dit, mon feeling, j'ai un feeling de fou, ouais. Tu sais que c'est rare en plus, hein. Bon, par contre, attends. Ah, j'espère que c'est pour mon émulateur qui a bugué, par contre, hein, pitié. Ah, c'est bon. Voilà, voilà, je rebranche ma manette, c'est bon. Oh là 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 là, mais incroyable. 150 000 euros. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. Voici donc. Non, console, console. L'avant-dernière question. Pour 300 000 euros. L'avant-dernière question. On a encore un 50-50. On est les gars, on a encore. La ville de Chypre est partagée entre une communauté grecque et une communauté. Suédoise. Espagnole. Suédoise. Turque. Suédoise. Portugaise. Suédoise. Bulgare. C'est suédois. C'est suédois. Bon. Là, par contre, ça, putain, je te jure que je l'ai appris. Je te jure que je suis sûr et certain de l'avoir déjà appris, ça. Je suis sûr de l'avoir appris, mais je sais plus. J'ai appris il y a tellement longtemps au collège. Je l'ai appris en cours d'histoire, ça. Ah ouais, en cours de géo, bref, histoire géo. Et je sais plus, parce que ça, je m'en rappelle, ça, par contre. Je suis sûr de l'avoir déjà appris, mais je sais plus. Et là, c'est la merde. Parce que ça se trouve, c'est même plus d'actualité. Hein. Deux bonnes réponses. Entre les Grecs. Dans mon feeling, me dit bulgare, moi. Moi, le feeling, il me dit. Grec-bulgare, tu vois. Ça s'équivaut. Attends, je réfléchis, attends, dans ma tête. C'est pas espagnol, c'est pas portugais. Moi, pour moi, c'est pas ça. C'est turc ou bulgare. C'est turc ou bulgare. Appel, utilisez à tout moment votre dernier joker, le 50-50. Les gars, est-ce que j'y vais au feeling ou pas? Le feeling ou le 50-50? Je sens que je vais me foirer. Ou alors, on fait les pédales. Et on se casse. On se casse avec les 150 000. Vous jouez pour 300 000 euros, mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Non mais quel fils de pute. Ça vous coûterait bonbon, hein. Ça se voit que vous le dites. 102 000, bah en vrai, économise. En vrai, premier degré, hein. Moi dans le jeu, là, imagine, genre, moi ça m'arrive IRL, je prends l'argent, je m'en vais. Hein. Je prends l'argent et je m'en vais IRL, hein. Je fais tant pis, hein. C'est pas grave. Hein. Je veux pas perdre 100 000 euros, hein. C'est mort. Hein. Mais tant pis, hein, moi je fais, c'est bon, là, j'ai fait le goat, c'est tout. Hein. Mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ta gueule, c'est bon, j'ai compris. Bon, mais vu que là, de toute façon, bon, le chèque il va pas sortir de la console, j'ai envie de te dire, donc bon. Pas de. Bah oui, pas de la console. Il va pas y avoir un vrai chèque qui va arriver à ma banque demain, donc bon, dans tous les cas. Voilà. Donc Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du. J'ai envie de lâcher grosse couille, hein, en vrai, mais je sais pas. Parce que d'habitude, mon feeling il est bon. Là, c'est un feeling mitigé. Allez, 50-50 quand même, allez. Par contre, si c'est turc ou bulgare, je m'énerve. Choisi d'utiliser le 50-50. Ordinateur, pour moi, c'est bulgare. Veuillez retirer deux mauvaises réponses. C'était pas bulgare. Bon, j'ai bien fait de pas le faire. Vous n'avez plus qu'à choisir entre les réponses A et B. Là, le feeling, tu vois, là, je sentais que genre là, c'était un feeling au pif, tu vois. Tu vois, genre là, c'était pas un bon feeling. Chypre, grec. Enfin, pour moi, je dirais turc en vrai. Hein. Je vois mal l'Espagne en fait. Pour moi, je vois pas pourquoi je serais espagnol. Pour moi, c'est turc. Je tente le turc, allez. Grosse couille. Que la réponse n'est pas A. Vous êtes sûr que la réponse n'est pas A? Jean-Pierre, je te regarde dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. C'est turc, c'est mon dernier mot. Vous venez de prendre un très gros risque sur cette question. Vous auriez pu repartir avec 150 000 euros, mais
Vous avez fait preuve de beaucoup d'audace et vous en êtes maintenant bien récompensé. Les 300 000 euros sont à vous. Toutes les félicitations. Mais mec, oh là 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 là, le million qui m'attend. Le million qui m'attend. La dernière question. J'ai jamais été aussi loin. Oh là 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 là. J'ai plus de joker, c'est la merde. C'est la merde. 300 000 euros. Ils sont à vous. Vous venez de les gagner. Mais vous avez maintenant la possibilité de transformer vos gains en 1 million d'euros. Je vous rappelle que vous êtes toujours libre de partir sans répondre avec vos 300 000 euros. Vous avez répondu. Oh là 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 là. Voici donc la 15e et dernière question. Marco Polo a raconté dans un livre ses voyages en... En Afrique. Amérique. Afrique. Asie. Australie. N'oubliez pas, quand je dis une réponse et que c'est B, c'est que c'est la bonne réponse. Marco Polo, c'est Afrique. Marco Polo. N'oubliez pas, ça m'est arrivé 3 fois. Enfin, 2 fois. Jamais 203. Jean-Pierre. Marco Polo. C'est pas en Asie qu'il a fait. C'est pas en Australie. C'est pas en Amérique. Si vous vous trompez, vous retombez à 48 000 euros. Et parce que donc très exactement là, c'est le feeling. 152 000 euros. C'est le feeling. Marco Polo, c'est un mec. Mon feeling ne m'a jamais trahi. En êtes-vous sûr à 100%? Jean-Pierre, je ne suis sûr à 0%. Mais c'est au pif, ça marche pas. Moi, c'est le feeling. Il est parti en Afrique, Marco Polo. Parce que j'ai lu ses livres. Jean-Pierre. En répondant à cette question, vous preniez le risque de perdre 252 000 euros. C'était courageux. Jean-Pierre. Mais c'est une mauvaise réponse qui vous fait retomber à 48 000 euros. Non. Vous repartez avec 48 000 euros. Ah, c'était revenu d'Asie en plus. Mais je sens que vous auriez pu aller jusqu'au bout. Alors, n'hésitez surtout pas à revenir nous voir pour une nouvelle partie de qui veut gagner des millions. Ah, mes sous qui s'envolent. J'avais trop bien joué. En vrai, j'avais trop bien joué. Je suis dégoûté. J'avais trop bien joué par contre. En vrai, les gars, quand même. On est là ou pas? Quand même, il y a un peu de truc là, quand même. Nul, bon, toi, ferme ta gueule. Je vais pas t'entendre parler. T'aurais foiré à la 5e question. Ah là là, mon mignon. Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Je veux mon million. Familièrement, avoir la flemme, c'est... Oh, Jean-Pierre qui dit avoir la flemme. Jalousie, paresse, colère. Ah, voilà, on est parti. Au travail. Le paresse. Le grand de paresse. C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. 300 euros. Cahouette. Ah non, bah, genre, je dis cahouette. Vivre dans un lieu protecteur et agréable, c'est vivre dans un flocon. Dans un havre de paix. Chausson. Cocon. Je suis dans mon cocon. Et c'est la bonne réponse. Vous gagnez 300 euros. Et voici la question à 500 euros. L'un des petits animaux utilisés dans les laboratoires est le cochon d'Inde. D'Italie. Cochon d'Inde. D'Inde. Cochon du Québec. De Suisse. Un petit cochon du Québec. Vous pensez que la bonne réponse est C? Oui, non, mais quand même, oui, bon, mais connard, oui, quand même, Jean-Pierre. Vous gagnez 500 euros. Ouais, 500 euros. From le mignon, tout 500 balles. 800 euros, question. Question. Quel mot désigne à la fois un sorcier africain et un grand oiseau? Un marabout. Mage. Devin. Marabout. Envoûteur. Le marabout. Vous avez raison, et vous remportez 800 euros. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Ah. Voici la question. J'ai le droit. Je suis une Nord-Africain. Dans l'alphabet français, Afrique du Nord. Combien y a-t-il de voyelles? 5, 6, 7, 8. A, E, I, O, U. 5. B,
Babubibubu. Attends, j'en oublie pas quand même, attends. Là, normalement, c'est ça, ouais. Attends, y'en a 5, attends. Attends, j'ai un doute. Non, mais c'est bon, c'est 5. C'est pas fou quand même. Vous sembliez assez sûr de vous, mais vous m'avez donné une mauvaise réponse. Quoi ? Non, arrête. Déjà... J'ai pété un câble, j'en oublie une. C'est vrai qu'une j'en oublie une, je le savais. Que pour celui qui connaît la réponse, malheureusement. Je savais que j'en avais oublié une. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un accident et que vous ferez mieux dans une prochaine partie de Qui veut gagner des millions. Une prochaine partie de Qui veut gagner des millions. From le midi. Putain, j'ai oublié l'Y. Oh, je suis une merde. Je m'en doutais, j'en avais oublié une. Bon, c'est pas grave. C'est vrai de moi, à chaque fois, genre, je pense. Bah oui, la sixième. Je vous souhaite. Et j'ai oublié. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Ça va. Souvenez-vous de mes victoires. Et pas, de mes défaites. Cet outil est également utilisé pour l'entretien des ongles. Le marteau. La lime. La scie. Ouais, la lime. La perceuse. Je me perce les ongles. C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. Je dirais que c'est une merde. Bon. C'est quand même la première lettre de mon prénom, hein. Donc bon, c'est vrai que l'oublier, bon, quand même, je suis vraiment con, hein. Mais bref. Quel joueur de football porte traditionnellement des gants de protection? Ouais, les c'est Blobo qui a dit ça avec un gars. Avec un centre, le gardien de but, l'ailier droit. Oui, et c'est la bonne réponse. Mbappé, t'inquiète, c'est Mbappé qui a les gants. Dans le déni, j'avoue. Non, mais de toute façon, j'ai jamais aimé mon prénom. Marquer la monnaie d'une empreinte, c'est la refroidir, rafraîchir, frapper, glacer. C'est un ça, frère. Non, mais par contre, mais là, je suis désolé. Mais qui c'est ça, sans déconner? Marquer la monnaie d'une empreinte, c'est là. Sans déconner, je connaissais plus le coton tout à l'heure. Je me rappelle plus du coton. Et de la. J'ai plus réussi sur la perdrix. La perdrix, pour moi, genre, c'était plus clair. Hein. Ça, c'est une réponse à 1 million, ça. Normalement. C'est pas une réponse à 500 euros. T'as marqué la monnaie d'une empreinte, c'est là. Le 55, ça sert à rien. Hein. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Je sais pas du tout. Hein. Elle a frappé. Elle m'a marqué la monnaie d'une empreinte, ouais, c'est vrai. Ah, ça me paraît logique. Bah ouais, c'est vrai qu'après, marqué, frappé, ouais. Bon. Vous n'avez pas de regret? Est-ce que c'est votre dernier mot? J'ai plus confiance. Je te devrais ma victoire comme ma défaite. Bonne réponse, bien sûr. Ok, bien vu. 500 euros. Bien vu. Cette question vaut 800 euros. Un objet de vannerie peut être fait en... rotin? De vannerie. Métal? Plastique, cire. L'objet de vannerie. Ça paraît ça, je sais pas c'est quoi. Hein. L'objet de vannerie. Au moins, il y a la vanne. La vanne, c'est quoi? C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Le rotin, c'est marrant. C'est un mot qui est rigolo. Donc, moi, j'irais rotin. Non, je sais pas, ouais. Eh, normalement, qui veut gagner des millions sans duo. Pourquoi je suis seul derrière mon écran là? Il me faut un duo avec moi là. Emmenez-moi Calico. À chaque fois, hein. Ramenez-moi Calico. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers. Le 50-50, le code de la Nami et le vote du public. Vendredi, c'est le truc de fée bois. Ok, d'accord. Bah ouais, du coup, ouais, du rotin, c'est du bois, me semble. Du coup, ma logique, elle était bonne. La bonne réponse, vous gagnez 800. Du coup, ma logique, elle était bonne quand même. Vendredi, le rotin, c'est un mot marrant. Premier palier. 1500 euros avec cette question. Bon, allez. Lequel de ces noms de métier désigne c'est quelqu'un qui protège des ragots? Qui propage des ragots? Démarcheur. Rémouleur. Colporteur. Bon bah, colporteur, ça va. Ah bon? Colporteur, c'est un métier? Je sais même pas. Hein. Une attends, réponse, ouais, c'est bon, ouais. 1500 euros. Bah, faut attendre. Bien joué. Vous avez ouais, un colporteur, ouais. Ouais, colporteur, c'est pas vraiment des ragots, du coup, autant. Un colporteur, c'est plus un mec qui va dire, madame, c'est genre, une poucave, tu vois, un peu, non. Félicitations, cette bonne réponse vous garantit maintenant 1500 euros
et ce, quoi qu'il arrive. Voici à présent la sixième question pour 3000 euros. Ah, d'accord, bon bah, tant pour moi. En anglais, le mot hot dog signifie littéralement chien chaud. Chat chaud, canard chaud, chien chaud. Mais non, mais ça peut. Caille chaude. Je pense qu'il me dit caille chaud, caille, caille du mât. Hop, on se dit caille du mât. Bon, chien chaud, ça va, bon. Vous pensez que la bonne réponse est C. Bah non, mais j'avoue, non, mais attends, non, mais là, c'est. Il est là, puis il fout. Non, mais. Alors, tout à l'heure, le rotin, le plastique, facile, par contre, ça, c'est compliqué. Mais j'ai pété un câble, sans déconner, c'est quoi ça? C'était une question à 3000 euros que vous empochez. Bon. Imagine la question à 1 million. Que veut dire hot dog? Ça m'aurait trop fait marrer, j'aurais dit bon bah le million, il est gratuit. Hein. Pour le moment, tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la même réussite avec cette question ça va. Qui vaut 6000 euros. Ça va, ça se passe bien, ouais. Au D, comment appelle-t-on la face marquée d'un seul point? Le Uno. L'As, le solitaire, la championne, le master. Au D. Ouais, du coup, je pense que c'est la championne ou le master, parce que bon, le solitaire, non. L'As, non. Je pense que tu passes de stress ultime à what the fuck, je rigole, c'est quoi cette merde? Bah, ouais, un peu, ouais. Je pense en vrai, mais le pire, franchement, t'as raté, j'ai fait des clutches. Oh le loulou, mais il me semble que c'est la championne, il me semble. Hein. Parce que la championne, ça me dit un truc. Bah, il me semble que c'est la championne. Moi, mon feeling, il me dit championne. Vas-y, j'y vais. M'en fous, allez. Réponse C. C'est votre dernier mot. Mon dernier mot, j'assumerai ma défaite. Ah oui, là, c'est pour les cartes, le solitaire aussi. Le master, ça me dit rien. C'est pas poker, le master. C'est pas un truc de poker, le master. Moi, je dirais la championne, parce que la championne, ça me dit un truc. Hein. Vas-y. Championne, allez. Si c'est là, je m'énerve. Hein. Vos gains s'élevaient à 3000 euros et... C'est une mauvaise réponse, vous repartez avec 1500. C'était l'as? Eh bien, vous ne repartez pas les mains vides, puisque vous remportez 1500 euros. Dommage pourtant que vous n'ayez pas réussi à aller plus loin. Mais n'hésitez surtout pas à retenter votre chance. Ouais. Okay, donc, qui veut gagner des millions? Non, mais la championne, attends, mais je te jure que ça me dit un truc, la championne. Mais je sais pas d'où. Alors. Dans tous les cas, j'aurais jamais mis là. Ça. J'aurais peut-être mis une master. La masterclass, là. Mais c'est tout bon. J'aurais pas mis plus. Hein. J'aurais jamais mis là, ça. Pour moi, genre, ça pue le piège à con. Je vous propose tout de suite de découvrir la première question pour 200 euros. Mon million. Jean-Pierre, rends-moi mon million. Quand on est locataire d'un appartement, on paie à son propriétaire un dédit, crédit, loyer, escompte. Et mon loyer. Crédit, c'est pour le banquier. C'est une formalité qui vous rapporte 200 euros. Je pensais qu'il allait me dire un acompte au début, parce que bah au début, oui, tu payes un acompte, ouais, au début. Quel héros de bande dessinée vit ses aventures 50 avant Jésus-Christ? Moïse. Astérix. Moïse. Cassine. Bravo, vous remportez 300 euros. Et voici la question à 500 euros. Les aventures de Moïse, je vous connaissais pas. Comment appelle-t-on une période de grande affluence? La saison perchée, la grande saison, l'arrière-saison, la haute saison. Mes frères, dans le tourisme, sans déconner, c'est quoi ça? Je sais pas, moi j'irais la grande saison, je suppose. Bon, la saison perchée, je pense pas. L'arrière saison, ça a l'air con. La haute saison, peut-être la haute saison. Bah alors, genre ça, je sais pas. Non, moi j'irais genre ouais, la grande saison, peut-être. Bon, allez, nickel, c'est bon. Réponse B, c'est votre dernier mot. Après, la haute saison, ça paraît bien parce qu'en fait, la grande saison, c'est genre c'est grand, c'est une grande saison. Alors que la haute, c'est haut en termes de chiffres, tu vois. La haute saison, je pense, c'est ouais, il y a moyen que ce soit la haute saison. Vas-y, tant pis, allez. Tant pis, on s'en fout. Hein. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ah, c'était sûr, putain, je m'en doutais. Mais que s'est-il passé? Vous avez glissé. Vous repartez les mains vides. Ce n'est pas votre jour de chance aujourd'hui. Sous ma gueule. Ferez-vous mieux dans une prochaine partie de Qui veut gagner des millions? Ah mais le level gros, non mais il était largement... Il était un milliard de fois au-dessus avant. Ça peut pas être le côté gauche, oui, boy.
Ah là 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 là. Et en vrai, genre, ça... tu sais qu'en vrai, genre, ça m'arrive de temps en temps quand même de foirer comme ça les 5 premières questions. Des fois, genre, il y a des trucs, genre, c'est en mode bah ouais, Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite bon, on la commence, première hein. question pour 200 euros. La vaste région autour de Paris est appelée Fétou parisien, bassin parisien, baquet parisien, chaudron parisien. Oui, le bassin parisien. C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. Le bassin. 300 euros. Quand une personne est de mauvaise humeur, elle n'est pas à prendre avec des... pincettes. Fourchettes. Baguettes. Tenailles. Pincette. Je pensais qu'il allait pas me dire pincette, hein. J'allais dire putain, attends, c'est quoi encore cette expression hein. Bravo, vous remportez 300 euros. J'allais m'énerver. Hein. Et voici la question à 500 euros. Ah, du coup, on commence la semaine prochaine, FF7. Quand on prend rendez-vous chez un généraliste, c'est pour voir un entrepreneur, épicier, un médecin, garagiste, médecin. Bon, médecin généraliste. Selon vous, la bonne réponse est D. Après, faut confirmer parce que le problème c'est que lundi c'est. Alors lundi c'est le 25, donc toi je suppose que t'es pas là. Moi le 25 je suis là, donc je m'en fous. Donc en vrai, si le 25 tu veux le faire, on fait ça le 25, je m'en fous. Le problème c'est que je sais que mardi prochain, donc le 26, je fais Layton. Mercredi prochain c'est JDR. Jeudi prochain, il y a moyen que j'aille voir Wonka au cinéma. Ou alors à moins que j'aille vendredi, je sais pas. Bref, à environ. Avec ma copine, ok. Je te dirai demain. En vrai, demain je vois Osan. Donc, je sais qu'il voulait 26 pas là. Bon, dans tous les cas, ouais. 27, j'y étais normalement. Le 28 ou le 29, du coup. Ok, donc 28, ok. 29, rien. Le 30, bon, après le 30, bon, moi je vais. Le 30, je ferai une petite sortie. Hein. Mais bah, après, bon, bah, le 31. 31 au soir. Avec vous à la maison. Vous gagnez 500 euros. Ah d'ailleurs, il y a besoin de prendre beaucoup de trucs ou pas pour pour dimanche. Ces mots ne désignent pas un marchand d'objets anciens. Chineur, antiquaire, brocanteur, orateur. Parce que du coup là pour l'instant j'ai pris. Bah en vrai le problème en fait genre c'est que j'ai pas envie de prendre trop parce que le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a trop ça fait du gâchis donc j'évite de prendre à chaque fois trop mais j'ai pas envie de prendre pas assez tu vois. Là pour l'instant Ah il a pris pour 40 balles putain. Ouais en fait, ça dépend ce qu'il faut en fait. Ça dépend ce qu'il faut parce qu'en fait au final genre c'est gros toi t'as... Vous avez claqué combien vous avez claqué 200 balles un truc comme ça 100 balles. Je sais plus. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50, hein. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Attends, lequel c'est n'est pas marchand de la session. Bah, droiteur. Il s'agit de la bonne réponse, vous il gagnez a pas vu, hein. 800 euros. T'es en train de chercher, genre, c'était quoi Achineur? C'est quoi ça Achineur? Attends, je vais aller voir. Premier palier, 1500 euros avec 7 questions. Achineur, c'est quoi ça? Commun en France, le frère. Un brocanteur, un moteur qui aime chiner. Bon, d'accord, bon. Oiseau, arbre, poisson. Le frêne. Champignon. Le frêne, je sais pas c'est quoi le frêne. Toi, tu connais Kayuma, vas-y, dis-moi. Kaibibou. Le frêne. C'est pas un arbre, le frêne. T'as plus un don d'arbre, hein. En vrai. Toi, tu prends des trucs genre des conneries, noix de cajou, pizza, chips. Parce qu'en fait, là, j'ai pris. C'est vrai, oui. Ouais, c'est un arbre, ouais, je suis pas fou, ouais. Une bonne réponse vous garantirez 1500 euros. Moi j'avais un doute. Joué. Vous avez atteint le premier palier. Ok. Et voilà. Parce que du coup là j'ai pris. En fait, genre j'ai pris, mais je pense qu'il faut. Je vais sûrement repasser demain dans les bains, du coup, parce que j'ai pas pris beaucoup. 500 euros qui sont à vous, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant à cette question pour 3000 euros. Ah putain, attends, ah oui, attends, c'est vrai que attends, j'aime pas les monstres en même. Le nom de l'homme politique Pasqua. Émile. Pierre. Ouais, j'aime pas les monstres en match, ouais, bon bah dans tous les cas. Hein.
Pierre Pasco. Il n'est pas Pierre Pasco. Non, je sais pas. Pasco. Pasco. T'as Pasco, attends, ça me dit un truc. C'est comme Charles. C'est Charles Pasco. La manette, putain, secours, là. Réponds, là. Réponds. Je sais pas du tout, hein. Moi, Pasco, je connais que de nom. Attends, je vais débrancher ma manette, je vais la rebrancher. Ah, genre, tu veux que je ramène combien de trucs environ? Charles Pasco, moi, je te fais confiance. Selon vous, la bonne réponse est D. Je te fais confiance alors, allez. Charles, Charles. C'est la résistance. C'était okay. Une question à 3000 euros que vous empochez. Ok. Bah, très bien. Écoute, on est là pour apprendre. Hein. Pour le moment, tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la même réussite avec cette question qui vaut 6000 euros. 6000 euros. Fabien, un agent des services secrets. Un agent des services secrets. Espion. Un moustachu. Un barbu. Un barbouze. Un barbouze. Un favori. Familièrement. Hein. Familièrement. Pour moi, c'est un moustachu. Un barbu, c'est un arabe. Un barbouze, c'est un rhum. Un favori, c'est un gentleman. Dans le mec avant tout. Un barbouze. Un code crête en plus, les gars. Bon, des chips, tout ça, à la limite, boisson, genre, vas-y, c'est quoi, si, enfin, le truc. Trois jokers, ouais. Le 50-50, le coup de fil à un ami, et le vote du public. Un truc que je vais vous faire découvrir. Vous connaissez les chips au vinaigre? C'est très bon, hein. Non, c'est dégueulasse, en vrai. Bah, ça se bouffe, mais genre, en très petite quantité, les chips au vinaigre. Vraiment, c'est... Ah, pitié, me faites pas la blague Evie, quoi. La blague, elle a été faite 50 fois. Pitié. Attends, quoi qu'en vrai. Attends, en vrai, un favori c'est possible aussi en vrai. Un petit favori. Y'a moyen en vrai. Un moustachu ou un favori, moi je partirais, mais c'est vraiment du feeling. Un truc que je vais vous faire découvrir. Bah, en vrai. Bon. Ah, d'ailleurs, c'est quoi qu'il y a de prévu du coup au soir? Parce que tu m'as dit que, genre, qu'il y avait des pommes dauphines, mais avec quoi? Pommes dauphines et ma bite? Ma grosse bite. Ma copine a pris du boudin blanc, elle aime bien, ouais, c'est, j'ai pas dit, ouais. Arnold Schwarzenegger. Un moustachu. Ah, moi j'ai hésité, bon, vas-y, je te fais confiance. Une sorte de grand apéro qu'on va faire. T'inquiète, ok. Le monté, ah, la lila lila. Allez, un moustachu. Je vais partir sur mon truc. Dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous moi, c'était mon choix. Moi, c'était mon premier truc. Moi, c'était ma première décision moustachu. Et toi aussi, tu me dis moustachu, donc écoute, on va partir sur ça. Vous aviez 3000 euros, mais vous m'avez donné une mauvaise réponse qui vous. Ah, c'était pas ça. Donc, c'était un favori. Euros. Ah, c'était un barbouze. Bah alors. Un barbouze. 500 euros. Vous ne nous quittez donc pas les mains vides. N'hésitez surtout pas à retenter votre chance dans Qui veut gagner des millions. Ouais, non, mais je sais, oui. Non, mais je réfléchirai. Enfin, je réfléchirai. Pas trop longtemps, parce que demain, faut que j'y aille, quoi. Ah, mon million. Oh là là, j'étais si proche. Bon, alors, tente. Hein. On essaie. Hein. Ouais, bon, je verrai. 15 questions, 1 million d'euros, 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous connaissez les règles, alors voici tout de suite la première question pour 200 euros. Vous sachez moi aussi, mais je sais pas, genre c'est peut-être une autre expression qu'on a en tête. La épreuve d'une compétition sportive est la... Et la plus difficile. Finale. Principale. Total. Comme l'essence. C'est une formalité qui vous rapporte 200 euros. 300 euros. Super de l'énergie, voilà. Célèbre héros de bande dessinée porte sur ses épaules une pute, un châle, une veste, le paravoile, une cape. Voilà, ça c'est des vraies questions. Voilà. Ça c'est des vraies questions à 300 euros. Ça c'est des questions de merde. Ça. Question suivante. Ça j'aime ça. 500 euros. Oui. Terminal, c'est pour le cancer. Ouais. D'un lieu où l'on retourne régulièrement. On dit qu'il est un port
Portugais. De pêche, d'attache, de guerre, de commerce. De quoi? D'aller au relancement régulièrement, je sais pas, un port d'attache, je dirais. Bah ouais, bah pareil du coup. Vous n'avez pas de regrets? Est-ce que c'est votre dernier mot? Mon dernier mot, Jean-Pierre, ça peut pas être autre chose. Bonne réponse, bien sûr, 500 euros. Ah ouais, d'attache, ouais, c'est pas logique, hein. Mais bon, j'ai jamais entendu ça. Après, genre, il date le jeu de PS2. Hein. De la surveillance du littoral est un garde-barrière, garde-voile, garde-voie, garde-côte. Eh, pas loin, hein. Pas loin, pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. J'ai dit garde-voile. J'étais pas loin. Oui, oui, un garde-côte. Bien joué. 800 euros pour... Ça, quand même, je connais. Je connais quand même ça. Premier palier, 1500 euros avec 7 questions. Quand tu l'as spammé. Pour leur publicité, certaines entreprises éditent des brochures, annales, oula, manifestes, mémoires. Bah, des brochures, pour les annales. Une bonne réponse vous garantirez 1500 euros. Bien joué, vous avez atteint le premier palier. Moi je l'ai fait les brochures. Hein. Moi je l'ai fait les brochures. C'est mon métier. Hein. Et c'est pas une blague, hein. c'est vraiment en plus. Félicitations, cette bonne réponse vous garantit maintenant 1500 euros. Ouais, les annales, c'est bizarre. Hein. Quoi qu'il arrive, voici à présent la sixième question. Un petit mémoire pour 3000 euros. Bon, allez, les vraies questions. Une mèche ou une perruque de faux cheveux est... C'est moche. Un postillon. Une pastille. Oh là là, mon dieu. Un postiche. Oh là là. Un pastiche. Oh là là. J'en sais rien, putain. Une... Je sais rien. Un postiche. On dirait un mec du Nord qui veut dire un peu... Je dirais postiche comme ça. Bah ouais, je serais parti aussi sur ça. Un postiche parce qu'une pastille... Un postillon, bah non. Un post-it. Un postiche. Un pastiche. Ouais, j'irai un postiche. Ça me vient un truc de loin, mais... N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Je sais rien, moi. Y'a personne qui sait, là. On est quatre. À quatre cerveaux, on devrait se sortir, quand même. Donc, on dit pas chacun de réponses différentes, ça devrait aller. Le postiche. N'oubliez pas que vous n'avez ouais, encore pas utilisé. Ouais, ça me dit rien du tout. Hein. Ça se voit là que le jeu est vieux parce que ça se voit que genre c'est vieux. C'est parce que ça m'a parlé. Ouais, bah pareil, ça m'a parlé aussi. Mais vas-y. Allez, j'y vais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bon, c'est mon dernier mot, mais j'ai pas de conviction, Jean-Pierre. J'ai pas de conviction, hein, vraiment, je le dis. Si c'est une pastille, je m'énerve. Hein. Vous avez déjà gagné 1500 euros et maintenant vous doublez vos gains. Vous ah ouais, bon, d'accord. Le feeling était bon. On a eu un bon feeling, ça va. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Oui. Vous avez déjà gagné 3000 euros. Et la question suivante. Tout à l'heure, t'as raté, en vrai. 6000 euros. Tout à l'heure, t'as raté genre 2-3 fois. J'étais en mode. J'ai pris shot les questions. Jacques Brel, la valse à plein temps. Ouais. Des débutants. Incroyable. À mille temps. Des mutants. De quoi compléter le titre de célèbre chanson de Jacques Brel. La valse des débutants. La 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 la. Mec, avant. Ah, moi je connais pas, ouais. Et ouais, tout à l'heure, putain, t'as raté. J'ai pré-shot deux, trois réponses. Et à chaque fois, genre, c'était la B. À chaque fois, genre, c'était la B. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, vas-y, et dis, le vote public. Vas-y, dis. Je peux dire la réponse. On joue tous ensemble. Putain, mais j'ai encore dédié ma manette. À mille temps. D'accord, bon, d'accord. Il y a plein de temps dans la musique. Ah bon. Il y a plein de temps, à mille temps, c'est à côté. Merde, putain, mais c'est pour ça. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 55 ans, ah, j'ai jamais écouté. Le coup de fil à un ami et le vote du public. La valse à mille temps, ça me dit rien du tout.
Alors, peut-être je connais, mais il y a plein de temps dans la musique. J'étais pas au courant. Putain. Bon bah. Réponse C. C'est votre. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance à Cacahuète. Vos gains s'élevaient à 3000 euros et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Vous remportez 6000 euros. Bravo. Beau gosse, beau gosse. Huitième question pour 12 000 euros. Ça, on s'en sort. Hein. Sur une pièce de monnaie, l'effigie est la représentation d'une bataille, fleur, arbre, pièce de monnaie. Personne. Personne, non. Après, moi, que ça a changé depuis. Enfin, que ça a changé depuis, entre guillemets, bon, le jeu il date, donc ouais. Ouais, pour moi, ouais, c'est une personne, ouais, je suis sûr. Selon vous, bah, je suis quasiment sûr, quoi. Enfin, bon, ça me paraît logique. Parce que je sais que maintenant, il me semble, c'est quoi, c'est pas les nouveaux billets, ça va être des monuments. Il me semble, genre, depuis 2-3 ans, c'est pas ça, genre, maintenant, genre que c'est des monuments. Il me semble, hein. Je dis ça, je dis rien. ouais, j'irai personne, ouais. Pour moi, ça me paraît plus logique, ouais. Je suis quasiment sûr. Hein. Vous aviez 6000 euros et maintenant 12000. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. J'avoue que là, pour le coup, j'avais un léger doute, mais bon, ça me paraissait bizarre que c'était autre chose. Jusque là, tout va bien. Voici maintenant la 9e question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24000 euros. J'ai l'info grâce à mes cours d'histoire de l'époque. Quel pont est associé à une victoire de Napoléon Bonaparte? Le pont du Rialto, le pont d'Avignon, le pont du Gard, le pont d'Arcole. C'est pas Avignon? Je suis quasiment sûr que c'est Avignon. Hein. Et j'ai pas envie de dire de conneries. Hein. Parce que moi et l'histoire, bon voilà quoi. Je suis quasiment sûr que c'est Avignon. En plus là il y a une comptine sur le pont d'Avignon, on y danse, on y chante, parce que la guerre elle est finie, pas du tout. Vous pouvez choisir de partir sans répondre avec 12 000 euros. Arcole. Ouais, possiblement Arcole. Le pont du Gard, ça me dit. Enfin, je pense pas. Rialto. Enfin, en fait, ça peut être un peu tout pour moi, mais pour moi, je partirais plus sur Avignon. Le pont du Gard, c'est autre chose. Ok, d'accord. Le pont d'Arcole. Attends. Parce que t'as une victoire de Napoléon, le problème c'est que t'as Napoléon, des victoires, il y en a plein. Choisir de partir sans répondre avec 12 000 euros ou bien jouer et risquer 10 500 euros. 50-50, ça me paraît tôt aussi en vrai. 50-50, c'est tôt, tu vois, ça le problème, j'ai pas envie de claquer maintenant. Alors quand même, genre, je suis quasiment sûr que c'est Avignon. Hein. Moi j'ai envie de tenter grosse couille, hein. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50. Ou alors on claque le. Et le vote du public. Ou alors on claque le vote du public sinon. Attends, c'est quelle question celle-là, je sais pas. Oh, on a bien avancé. Ah ouais, bon, on peut avancer plus. Allez, je tente, allez, tant pis. Vous pensez que la réponse est B? Je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr que c'est Avignon. Si je me foire, tant pis. J'assumerai les conséquences. Jean-Pierre. Vous avez pris le risque de répondre, un risque qui ne paie pas, puisque vous retombez. Putain, ça recolle, putain. Oh là. Vite, puisque vous remportez 1500 euros. Putain, j'étais quasiment sûr. Dommage pourtant que vous n'ayez pas réussi à aller plus loin. Je t'écoutais. Mais n'hésitez surtout pas à retenter votre chance, donc il veut gagner des millions. Bon, allez, on retente une dernière chance. Parce que bon, après. Déjà une heure. Hein. Râle. Ah, j'étais quasiment sûr que c'était Avignon. Putain, mais merde, non, mais c'est pas possible. Bah, il y avait un truc à Avignon. C'était pas juste une comptine à la con, hein. C'était pas juste une comptine à la con, Avignon. 15 questions. Vas-y, la der. 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous connaissez les règles. Alors, voici tout de suite la première question pour 200 euros. Un disque qui réunit les meilleurs morceaux d'un artiste est... un classique. Un récital, une compilation, une obade, une aubaine... Une compilation du coup. Oui, une compilation.
C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. Ah non, les compiles, ça n'existe plus maintenant, quasiment plus, je pense. Dans une entreprise, la personne qui s'occupe des affaires d'argent est le financier, l'argentin, le friqué, le dépensier. Le friqué. Ah bon, le financier, ouais. Bravo, vous remportez 300 euros. Je pensais qu'elle allait me dire le... Comment ça s'appelle le... Et voici la question, à 500 euros. Oh, le riche. Quand on fait la moue, c'est que l'on... On boude. Rit, chante, dort, boude. Vous n'avez pas de regret? Est-ce que c'est votre dernier mot? Oh, c'est pas vraiment triste, hein. Amour. Bonne réponse, bien sûr. 500 euros. Quand on fait l'amour. Ouais, un peu, mais c'est plus se bouder, tu vois. Question. C'est plus faire chier l'homme. Un ornement sur un meuble est un. Lancer. Renverser. Récupérer. Fichu. Jeter. Dans la pièce de tissu que l'on met sur, en ornement sur un meuble. C'est rien du tout. Je sais pas du tout. Oh là 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 là, j'en sais rien. Alors là. Je suis foutu. Je suis mort. J'en sais rien. Vraiment là, je sais pas. Si vous savez, dites-moi. Moi j'en sais archi rien. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Affichu. Ouais, c'est un peu devant genre la logique, parce qu'en soi genre c'est plus une question de logique, je pense. Un tissu lancé, un tissu renversé. Est-ce que c'est renversé là les tissus? Je sais que c'est les grands-mères, ils sont un peu renversés. Après, un tissu jeté, c'est un peu en mode il est foutu, tu vois. Tu peux l'aider ou quoi? Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Mais j'ai pas envie de claquer un joker maintenant. C'est des trucs de vieux, moi, je sens. Moi. Étoile, viens là, étoile. Étoiles. Ryan. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Oh, votre trou. Ah bon, au pire, on se foire, on en refait une, vu que c'est le début. Au pire du pire, on se foire, on en refait une. De toute façon, bon, ça, c'est la troisième question, on s'en fout, tu vois. Ah bon, ça fait chier, quoi. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers. Moi, j'irai aller à renverser. Le coup de fil à un ami et le vote du public. À renverser, parce que c'est un truc, parce qu'il est... C'est sûr de vous, mais pourtant, ce n'est pas la bonne réponse. Bon, bon, allez, nickel. C'est vrai qu'une question... Ah bah, du coup, j'avais un peu le truc. Connaît la réponse, malheureusement... Ce n'était pas votre cas. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un accident et que vous ferez mieux dans une prochaine partie de Qui veut gagner des millions. Alors là. Ouais, non, mais question. Mais t'as vu, c'est ça le problème. Genre, gros, tu sais que ça m'arrive souvent de me foirer sur des questions comme ça. Pas 87 ans. Ah, mais c'est chaud, regarde. Ouais, c'est chaud. C'est pas grave, on recommence. Je vous propose sur le TDB, bon, ça va. La première question pour 200 euros. Bon, allez, pitié là. Donne-moi des questions simples. C'est qui le frère de Mario? Il n'y a pas une couleur de jeu de cartes. Pique, carreau, trèfle, joker. Joker, please. C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. Joker. 300 euros. Question. Lequel de ces arbres possède un fruit qui fournit une huile comestible? L'olivier. Le pommier, le poirier, l'olivier, le cerisier. Olivier. Bravo, vous remportez 300 euros. Question suivante, 500 euros. Bah, du coup, oui, c'est bon. Autrefois, l'avion était appelé... Superman. Aérodrome, aérotrain... Aérodynamique. Aéronaute. Aéroplane. Un aéroplane. D. C'est votre dernier mot? Ah ouais. Pas
bonne réponse, bien sûr, 500 euros. Quand même, Jean-Pierre. Cette question vaut. Il me prend pour qui, Jean-Pierre hein. Voilà, ça, c'est une bonne question, ça. En France, la hiérarchie des positions sociales. Ah, ça y est, ça commence. L'escalier social. L'escalier social. Bah, je pense, ouais. L'échelle sociale. Ah oui, la marche sociale. Ah, c'est bon, c'est l'échelle sociale. Bon, j'ai eu peur. Vous avez raison, et vous remportez 800 euros. Ah, je pensais que genre, ça allait être encore un truc chelou, ça. Premier palier, 1500 euros avec cette question. Bon, allez, pas une question de merde. Quel personnage de dessin animé est protégé par une amusante mémé? Titi. Titi. Bah voilà. Bunny. Mickey. Batman. Vous êtes des gros cons. Nanana nanana. Batman et sa grand-mère. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Et c'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Alors, je sais pas si vous connaissez. Bon, je pense que ouais. Genre, oui, je pense que genre vous connaissez le truc avec Titi Grosminet là. 500 euros. Non. Cette somme vous appartient et vous repartirez de toute façon avec. La prochaine question vaut 3000 euros. En 1962, Hugo Frey triomphe avec une chanson intitulée Capri, c'est fini. Santiano. Attends, j'écoute pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est Santiano. C'est Santiano, je sais. Hugo Frey, c'est Santiano. Je suis sûr. Ah. Et ouvrez vos gros cons. Ah. Ou alors ouvrez vos paupières. Et attends. Je veux savoir. Je veux savoir ce que vous écoutez. Enfin, ce que vous entendez plutôt. Ah. J'arrive à ça. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore un joker. Écoute, file un ami. Moi j'entends les deux. Public. Moi je peux entendre les deux. Moi j'entends. En fait, genre si. En fait, genre si je veux entendre gros con, j'entends gros con. Si je veux entendre paupière, bah j'entends paupière en fait. T'as où là mon. Attends, tu veux que j'en mette, attends. Je rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50, le bah attends du coup. Et le vote du public. Ouvrez vos gros pierres. Alors, hallucination. Auditif, titi, gros miné. Attends. Ouvrez vos gros pierres. Nous sommes prêts pour la matraque. Ouvrez vos gros pierres. Je vous rappelle qu'il vous reste ouais, moi j'attends. 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami. Et le vote du public. Je pense que t'as entendu du coup. J'en mets un coup. Ouvrez vos beaux-pères. Ouvrez vos beaux-pères. Hop. Ça marche ou pas, attends. Ok, Hugo Frey, bah pour moi c'est ouais c'est Santiano, enfin je suis fait, alors en vrai j'ai un très léger doute, très léger doute, mais pour moi Hugo Frey c'est Santiano. Capri c'est fini, ça me dit rien, ne me quitte pas, c'est pas lui. J'ai un problème. Ouais mais si c'est Santiano, Hugo Frey, je suis pas sûr. C'est votre dernier mot. Je suis casse-bille, je suis sûr à 95%. Hein. J'ai peur de me gourer. C'était une question à 3000 euros que. Vous empochez. Ouais, quand même, c'est bon. Bon, j'ai eu peur, hein. C'est toujours un petit doute en fait, à chaque fois, je me dis putain, je sais pas. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Bobo, père. Vous avez déjà gagné 3000 euros et la question suivante vaut 6000 euros. Autrefois, les chapeaux de femmes étaient souvent garnis d'une. Non, jugulaire, c'est pas 92, c'était 64. Visière, traîne. Il a fait Google, il me dit 80. Ah bon. Voilette. Ouais, sur terre. Ah voilà, ouais, c'est pour ça. Le chapeau de femme était souvent garni de jugulaire, visière, traîne, voilette. De. Je pense que c'est voilette. Après, est-ce que c'est le bon terme, voilette? Parce que je vois, parce qu'en fait, je vois le truc, hein. Je vois c'est quoi qu'elles avaient, mais est-ce que c'est le bon terme, voilette? Je vous rappelle qu'il vous reste encore vos 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, et le vote du public. Et là, le problème, tu vois, c'est que
Comment est-ce que eux ils appelaient ça? Ça se trouve eux genre ils appelaient ça une visière, tu vois. Mais je vois c'est quoi, ouais, c'est des sortes de petits trucs en tissu là, il me semble. Il me semble, si j'ai pas de conneries, la mère de Kiroa, elle a ça sur son chapeau. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Si j'ai pas de bêtises. Il est vieux chapeau. Et wallet. Ouais, c'est bien ça, ouais, ok, d'accord. Selon vous, la bonne réponse est D. Parce que... Oui, wallet, ok, mais c'est juste que... Pour moi, c'est le terme. Je me suis dit, ça se trouve, eux, ils appellent ça une visière. Moi, ça me faisait peur. Je me dis, putain, genre, ça se trouve, genre, ils appellent ça une visière. En fait, ils s'appellent pas du tout une wallet. Sont en jeu. Bon, du coup, c'est bon alors. Et ils sont à vous. Ah bah, c'est large. Alors, oui, non, mais je sais que oui, visière, c'est pour les casques de moto, ça. Je sais, mais je veux dire, c'est plus. Je savais pas s'ils utilisaient le même terme ou pas, tu vois. Pour le moment, dis au cas où. Vous avez gagné 6000 euros. Il y avait un doute. La question suivante pour 12000 euros. Complétez ce verre de musset. Qu'importe le flacon. Pourvu qu'on ait l'ivresse. Le parfum. L'ivresse. Ça va être facile. Le vin. À boire. Il y a une anecdote, vas-y mec, raconte-moi. Facile. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot qu'on ait l'ivresse, mais évidemment. Vous aviez 6000 euros et maintenant 12000. C'est connu ça quand même. Les gens, ils ont dépensé 11 000 euros ce soir. 11 000 euros! Restez bien concentrés car la prochaine question peut oh, le chiffre. 24 000 euros. Oh, le chiffre d'affaires! Ensemble. Ah, mais attends, non, mais tu claques quoi pour 11 000 euros? L'amarrage de deux engins spatiaux et. Eh, moi, je dirais sa place, je dirais la paye. L'accostage, le calfeutrage, l'ajustage. L'opération qui précède l'amarrage des deux engins spatiaux. L'amérissage? L'amérissage ou l'accostage, non, attends, qui précède. Donc avant, l'amérissage, je dirais. Mais non, je dépense. Bah après, ouais, un burger avec du bœuf de Kobe, la mienne. Ouais, là, alors par contre, là, oui, là, j'avoue, là, le bœuf de Kobe. Bah moi aussi, moi, je partirais sur l'amérissage, mais j'ai peur de dire une connerie. Pour bon, moi, c'est, ouais, l'amérissage avant l'amarrage. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Bon, allez, je pars sur l'amérissage, tant pis, c'est Est-ce pas ça, tant que pis. C'est votre dernier mot. Si c'est l'accostage, je monte mon cul en live. Vous avez pris le risque de répondre, un risque qui ne paie pas, puisque vous retombez à 1500 euros. J'ai montré mon cul en live. Bravo, vous avez gagné 1500 euros, c'est déjà non. Dommage que vous n'ayez pas réussi à aller plus loin, mais vous avez pris des risques. Peut-être ferez-vous encore mieux la prochaine fois, dans une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions. Ah, tu vas faire une dernière? Bon, allez, une petite dernière. On utilise enfin les putains de jokers. Vas-y, allez, on utilise les jokers. Après, faut pas les utiliser trop tôt. En fait, c'est ça le but du jeu. Genre, c'est qu'il faut pas non plus genre les utiliser trop tôt. Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Allez, là pour boire, c'est ça? On dit familièrement. Si, je coupe. Ah ouais, d'accord. Qu'il est dur de. Attends, non, mais c'était combien, attends. La branche, l'écorce, la racine. La famille. La feuille. Dur de la feuille, lui. C'était une formalité qui vous rapporte 200 euros. 11 000, attends, non, mais gros. 300 euros. C'était genre les mères, attends, c'est les possible, genre. Le lauréat débute généralement au mois de janvier. Mars, juin, novembre. Attends, les épreuves du baccalauréat débutent. Ah, pour moi, elles débutent en mai. Hein. Elles débutent pour juin, mais bref, j'irai juin du coup. Bravo, vous remportez 300 euros. Bah, j'avoue que chez nous, putain, pour claquer 11 000, genre dans un bubu local, bon. Dans un bubu. Une personne qui perd ses cheveux déménage, se dégarnit. Se démeuble, se déboise. Se déboise celui-là. Réponse B, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il se déboise. Bonne réponse, bien sûr. 500 euros. 800 euros. Ça, c'est les questions que j'aime bien, là. Collectionner les signatures de célébrités, c'est trop bien.
c'est être chasseur. Chasseur de talons. De prix. Non, pas du tout. D'autographe. D'image. De tête. Je dirais chasseur d'autographe, normalement, mais bon. Bien joué. 800 euros pour vous. Je pense que bon, là. Nous arrivons au premier palier. Chasseur de tête. Cette question vaut 1500 euros. Chasseur de prime. Dans un film, l'ensemble des répliques constitue les dialogues. Ah, les dialogues. Dialecte, dialyse, diatribe. Bon, c'est quoi ces questions de là? Ils abusent. La réponse, vous garantirez 1500 euros. Bien joué, vous avez atteint le premier palier. Bah moi je me dis, ça m'étonne qu'ils mettent des pièges. Genre, les 5 premières questions, généralement, c'est pas des pièges. Donc je me dis, vas-y, tranquille. Pourquoi ça, par vous contre, avez là, gagné 1500 euros. Là, c'est ici, là. Vous appartient et vous repartirez de toute façon avec. La prochaine question vaut. Et t'as vu, 3000 euros. Y a quand même beaucoup de questions doublées en plus, hein. Il y en a beaucoup. Un tour effectué sur place par un skieur est une manœuvre. Transformation, conversion, tournante, pirouette. Je sais pas du tout. Les Eden, conversion à l'islam. Je sais pas du tout. Contact la daronne. Je sais pas, je sais rien, attends. Ah, effectué sur place. Ah, c'est pas genre en mode il skie et ensuite. Non, c'est genre c'est sur place, il fait. En plus, c'est un mode du ski, là, j'en ai fait à l'époque. J'en ai fait il y a longtemps du ski, mais j'ai oublié. Hein. Bon, là, j'ai oublié. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil et le vote du public. Moi j'irais pas conversion, je dirais peut-être une pirouette. Tu sais, une pirouette, j'en sais pas si ça fait. Ah, une pirouette. Ah, ah j'ai. Regardez, j'ai fait une pirouette. Non, tournante, non. Non, pirouette, je pense. Il y a moyen en vrai, pirouette. Après une conversion. Après. Ah, attends. Il y a le sketch. Attends. Je vous rappelle, si. Vous reste toujours vos dans conversion, c'est ça, c'est ça, c'est conversion. Je suis quasiment sûr. Un ami et le vote du public. Vous n'avez pas de regrets? Est-ce que c'est votre dernier mot? Tu sais pourquoi je suis quasiment sûr? C'est parce que le sketch du Palma Show, il me semble qu'il dit, alors là je fais une conversion. Et il se retourne, il me semble, si je dis pas de conneries. J'ai un doute, vas-y, conversion, si c'est pas ça, tant pis. Vous avez déjà gagné 1500 euros, et maintenant, vous doublez vos gains, vous remportez 3000 euros. Ouais. Je suis quasiment sûr qu'il y a ça là, dans le sketch du Palma Show, là, du ski. Alors là, je fais une conversion. À Palma Show. Vous vous débrouillez à merveille puisque vous avez déjà gagné 3000 euros. Ski. Découvrons à présent la question à 6000 euros. Quand on est au ski. Complétez cette expression, joint au futile. Yep. Je regarde là-bas. À l'inutile, à l'agréable, à l'inévitable. Aucun partage là. T'inquiète, le chèque. Non. Je regarde un peu genre s'il y a pas un truc. Attends, peut-être là. Oh JD. Eh les gars, on a faim là, c'est quoi le plus con pour le resto d'altitude? La mouflette? Ah, la castor? Ouais. Allez, embarque la lunette. Arrange-toi là. T'entends pas quand je te cible du télésiège, wesh. Pardon? Ouais, fais pas genre ta maline là, goofy, régulard, je sais pas quoi, nani nana là. Ah, c'était genre avec les flics. Bonjour, face à la liste. Donc il est là, lui. Ah bon, bah, je sais plus. Trois jokers. J'arrive pas à retrouver, mais je suis quasiment sûr qu'à un moment donné il dit ça, il dit. Ah, je fais une conversion. Attends, c'est peut-être là. Faut absolument que je retrouve parce que je me dis, genre ça me reste en tête sinon. Police d'épices, à votre service. Allez, on y va. Allez. Voilà, comme ça. Toujours une souplesse. Il est parti par où? Voilà. D'accord. Pas de retrouver. Voilà. Maintenant, t'es en arrière. Ça. Non, moi je suis plus bon. Ah, mais j'arrive pas à retrouver. Bon, j'ai dégoûté, ça me saoule. Clac. Joindre l'utile à l'agréable. Réponse C. C'est votre dernier mot? Bon, ça se trouve, genre, je me suis inventé un fou souvenir avec conversion. Vos gains s'élevaient à 3000 euros. Ah, j'ai pas vu t'écrire à l'agréable. À l'instant de doubler cette somme, vous ah, bon, ça va. Ouais, genre ça, c'est la question 7, ça. Bizarre un peu, tu vois. Genre, pourtant, je trouve genre que trouver conversion, c'est plus compliqué, tu vois. Huitième question pour 12 000 euros. Huitième question. La grotte qui sert de repère à une bête fauve est. Son air,
dernière. Sa tranchée, son antre, sa litière. Sa litière. Ah, son antre, je dirais. Tu vois, l'antre de la bête. Ça me paraît logique. Je allez, j'appuie droit. Que dès que nous avons. Ah ouais, après moi, son antre, ouais. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes sûr de votre choix? Bah ouais, quand on dit l'antre de la bête. Chaque fois. Je suis sûr que c'est ça. Hein. Vous aviez 6000 euros et maintenant 12000. Ah voilà. Ah, ça va. Eh bah, les questions, elles sont tranquilles, les questions. Jusque-là, tout va bien. Voici maintenant la deuxième question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24000 euros. Ah, je vois, là, pour l'instant, ça va. Franchement, bon. Dans les pays anglo-saxons, un clergyman est un. Un clergyman. Pasteur, un clergy. Musicien, ah ouais, c'est un pasteur. Sportif. Avocat. Pasteur. Je suis sûr à 100%, c'est un pasteur. En êtes-vous sûr à 100%? Un clergy, c'est un pasteur. 24000 euros sont en jeu. Bravo, vous venez de les remporter. Ah, ça va, bah tranquille, franchement. Frère, là, gros, là, on est en train de. On enchaîne, hein. C'est... On enchaîne des questions, là, attends. 24000 hein. euros. La tension monte. Et ce n'est pas fini. Oui, la tension monte. En répondant à la prochaine question, vous pouvez atteindre le second palier de 48000 euros. On y va? Quel est le frère de Luigi? Mario, Bowser. Les orthographes est correct. Ah, les orthographes. Haltérophilie. 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 Ouh là là là, attends, un alter. Un alter, déjà, un alter, ça prend pas de H, déjà. Donc pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est soit la A, soit la D, du coup. Haltérophilie, ouais, pour moi, c'est la A. Pour moi, je partirais sur la A. Haltérophilie. Bon, parce que y a pas, parce que sinon, genre, ça ferait haltérophilie. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Ouais, pour moi, ouais, mais pour moi, c'est la 1, hein, mais bon, j'espère qu'on peut se tromper. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre. Moi, je suis sûr que c'est la 1. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes sûr de votre choix? Bon, ça va, parce que bon, alter. Oui, Jean-Pierre, c'est moi. Alterophilie, ça prend pas de H. Un alter. Vous étiez à la tête de 24000 euros et vous êtes maintenant à la tête de 48000 euros. Je m'en doutais. Je m'en doutais que genre t'allais me dire ça. Bon, après, c'est m'indiqué. Non, mais de toute façon, moi j'étais sûr, de toute façon. Oh, le chèque. Eh, on a la 10ème question. On n'a pas claqué un seul joker, les gars. Le million. C'est maintenant. Quoi qu'il arrive à présent, vous repartirez avec un chèque d'au moins 5 questions. 48000 euros. 5 questions. Et nous jouons maintenant pour 72000 euros. Tout à l'heure, on arrive au million. Hein. Le site archéologique de Louxor est mondialement célèbre pour son magnifique dinosaure. Ah, Triceratops, pardon. Triceratops. Temple. Cirque. Pont suspendu. Non, bon, alors là, ça. J'écris comme je le pensais, il y avait pas le trait rouge. Ouais, bah, je m'en doutais. Mais ouais, de toute façon, moi j'aurais mis A aussi. Temple. Je sais, hein. Là, je connais pas du tout. Hein. Là, on est passé d'un tout autre niveau. On est passé de haltérophilie à ça. C'est ça, je pense pas du tout. La E. Ah, réponse E. Ouais, j'avoue, réponse E, Triceratops. Ah, c'est l'archéologie, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil. Après, c'est vrai quoi, après, en soi. Là, qu'en soi, un site d'archéologie, temple, ça passe bien. Théoriquement, ça serait temple. Mais, moi je dis petit vote du public en vrai. Petit vote du public, comme ça on est sûr. Enfin, on est sûr. Même avec le vote du public, on n'est pas sûr hein, en vrai. Je le dis. Le vote du public il peut nous feinter. Hein. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Moi je dis ça sent le piège quand même. Hein. Temple. En fait, genre pour la 10ème question, ça me paraît trop simple. Parce que genre si c'est vraiment temple, c'est vraiment bidon. Hein. Mais oui, non, mais pour moi, genre, je suis d'accord avec toi. Mec, on sait pas, ça se trouve, genre, il y a un truc qui rend. N'oubliez pas que. Et oui, théoriquement, oui, ça serait temple. De vos trois jokers. Mais ta gueule, espèce de babouin. Oui, théoriquement, ouais, ça serait temple. Moi, si tu veux, là, on y va grosse couille, mais du coup, genre, si on foire, c'est tout. Et pour moi, ça paraît trop. C'est ça le truc, ça paraît trop simple.
Grosse couille, vas-y, grosse couille, allez, grosse couille. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Jean-Pierre. Si c'est Afar. Je montre mes couilles en stream. Est-ce que tu es prêt, Jean-Pierre, attention. Hein. Toujours avec la voix du singe. Pourquoi la voix du singe ? Ah oui, ah oui, Écoute la voix du singe. Travaille ta queue, agite-la. Allez, c'est un temple, c'est l'archéologie, ça peut pas être autre chose historiquement. Vous n'aviez rien à perdre en répondant à cette question. Et vous venez de doubler. Rien perdu, au contraire. Oui, c'est bon, bah parfait. Il a reconnu la réplique. Et bah au final, il n'y avait pas de piège. Étonnamment. Bon bah on a bien fait. On a bien fait d'y aller grosse couille du coup. Bah oui, théoriquement, bah oui, bah oui. Et enfin, genre, c'est. Question suivante. Pas besoin de monter tes bolds. 100 000 euros. Ah, dommage. Vous pouvez me dire, Jean-Pierre, je préfère partir avec 72 000 euros, c'est bon. Jean-Pierre, je préfère partir avec 72 000 euros. Vous n'êtes plus qu'à 4 bonnes réponses du million d'euros. J'envoie une photo sur Discord après. Pour 100 000 euros. Promis, j'envoie, Discord... j'envoie une photo sur Discord après. En 1983. Oh, Depardieu, oulala. Oh là 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 là, Depardieu. Non, mais c'est pas le bon moment. C'est levé de miel. Non mais c'est pas le bon moment là de nous mettre une question sur Depardieu. Jean-Pierre. Alors comment te dire, bon, le jeu, je précise, le jeu date de PS2. Le jeu date de PS2, ça date d'il y a longtemps, c'est à l'époque où il y avait où Depardieu, ça allait, genre c'était la gloire de Depardieu, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, tout ça. Libérez Jean-Pierre. Jean-Pierre n'est pas au courant. Prenez votre temps, je vous rappelle que vous jouez pour 100 000 euros. Qu'est-ce que tu fais, JP? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je dirais soit la A, soit la D. Pour moi, j'aurais dit, ouais, la lune dans les nuages. La lune dans les nuages, la lune s'est levée. La lune de miel. Après, la lune de miel, genre ça fait bien mon français, tu vois. J'ai failli appuyer sur A. J'appuie sur A. Non. Non, 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 non. Oh là là. Oh là là, j'ai levé ma jambe et ça appuie sur eux. Ouh là 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 là. Ouais, tu vois, genre, la lune de miel, ça fait bien français, tu vois, je trouve. Ça fait bien français de fou, le nom, je trouve. Alors, tu vois, genre, le reste, je sais pas. Prenez votre temps, hop. Je vous rappelle que vous jouez pour 100 000 euros. Non, je sais pas, vrai du coup. Il a pas fait une romantique. Un jour de paye. Ça. À paye des trois. Bah, moi, j'irais peut-être. J'irais, franchement. En vrai, qu'un niveau. Bah, en vrai, j'irais. Moi, franchement. Si je. Prenez votre temps. Franchement, si j'y vais. Jouer pour 100 000 euros. Moi, si j'y vais grosse couille, je dis la lune de miel. Si j'y vais grosse couille, j'irais lune de miel. Si on y va au mini couille. Oh, Joker. La vie du public. Ça coûte rien, la vie du public. 50-50, ça va pas nous aider. L'appel à un ami, je préfère le garder pour après. Joker, allez. Je prends celui-là. Ok. Vous avez donc décidé de faire appel au public. Public, télécommande, s'il vous plaît, pour répondre à la question. Réponse A. Et moi, j'irai lune de miel. C ou D, s'il vous plaît. Public, votez maintenant. Qui rêvait le goût. Attention. Ah. Eh bien, il semblerait que le public est tranché. C'est à vous de décider maintenant. Qu'en pensez-vous? Donc la lune dans le caniveau. Le public, s'il me feinte. Parce que sur la oui. C'est votre dernier mot? Sur la oui, alors. Alors après, ça marche pas comme. Alors sur PS2, je sais pas comment ça marche. Parce que généralement, je sais pas. La lune dans le caniveau. Non, mais le nom du film, sans déconner. Et moi, j'aurais été genre la lune de miel, genre. Ça passait bien, genre la lune de miel. Là, franchement. Mais je sais que le public te feinte. Le public, en fait, il mène genre des fausses réponses au bout d'un moment donné. Tu vois l'idée ou pas? Mais. Sur PS2 Pro, ouais, ça. Sur PS2 HD. Moi je suis public, bah attention, ouais, j'ai pas de trucs, allez, je suis confiance au public. Dans la lune dans le caniveau. Vous avez très bien joué jusqu'à présent, et vous venez de faire encore mieux, puisque vous remportez 100 000 euros. Ok, donc le public ne fatte pas. Donc c'est un vrai joker, c'est bien. C'est un vrai joker, ok. Eh. On a encore une question à passer sans joker. Une question sans joker, et on est bon. Vous venez de gagner 100 000 euros, et
le droit de jouer pour 150 000 euros. Encore deux jokers, c'est énorme en vrai. 150 000 euros, question. Allez. Dans le jardin extraordinaire de Charles Trenet. De Charles Trenet, il y a des canards qui dansent, chantent le blues, lisent le monde, parlent anglais, dansent le cancan. J'ai dit danse, je reste sur mon idée. Les canards dansent le cancan. À chaque fois que je chante une réponse, elle est bonne. Sauf pour le million. Pour le million, c'est pas bon. Grosse couille ou pas? Grosse couille ou pas? Non, ouais, non, attends. Attends. Des canards qui chantent le blues, des canards qui parlent anglais, qui lisent le monde. Alors, en vrai, j'en sais rien, en vrai. Non, Charles Trenet, je connais, mais le jardin extraordinaire, je connais pas. Vous avez encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Les canards qui dansent le cancan, bah si, parce que canard dans cancan. Enfin, dans canard, il y a quand. Et c'est dit peut-être. Je crois que c'est anglais ou blues. C'est vrai que, alors des canards qui chantent le blues. Peut-être je me crée un faux souvenir, mais ça me dit un truc. Par l'anglais, je sais pas. Ou alors Joker, si encore une fois. Une mauvaise réponse, vous perdez 52 000 euros. On peut utiliser Joker, hein. Il y a toujours l'appel à un ami. L'appel à un ami, au moins c'est safe, hein. Enfin, safe. Enfin, j'espère. On fait l'appel à un ami, on appelle Michel. Michel, il va savoir. Ou alors Françoise, grande lectrice. N'oubliez pas que j'ai encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Moi, je pense qu'il faut claquer le coup de fil à un ami, en vrai. Au moins, on sécure la question là, tu vois. Au moins, on se dit, allez, c'est sécurisé. Si après, on a une réponse, au moins, c'est bien. Au moins, là, celle-là, elle est sécurisée, parce que de toute façon, on n'a pas. Parce que moi, je partirais sur danser le cancan, parce que voilà, mais... C'est extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais, je leur donne du pain, ils rebutent leur derrière en me disant « Thank you very much, je me suis traîné. » C'est quoi ces conneries? C'est un vrai truc ou pas? Prenez votre temps, ils me disent « Thank you very much. » Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ah, c'est musique. Attends, mais comment tu sais? Alors, est-ce que t'as fait ça de tête ou alors est-ce que t'es parti chercher sur internet? J'espère que t'es... Non, je pense pas que t'es du genre à chercher sur internet. Genre t'es pas comme Aurélie t'as à l'époque qui trichait en mode ah non mais je connais. Et j'ai chanté avec les deux versions. Prenez votre temps, il vous reste. C'est quoi la seconde version, c'est quoi? Et le coup de fil à un ami. La seconde version, c'est quoi du coup? Ah oui, c'est un jardin extraordinaire où je chante le canard qui chante le blues, okay, d'accord, ouais. Ouais, non, c'est bon. Non, mais j'ai compris quand t'as dit seconde version, c'est bon. Ok, donc, du coup, t'es sûr que c'est par l'anglais, du coup? Extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais, je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you, blablabla, je me suis traîné. » Il vous reste encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. C'était par l'anglais, non, mais c'est bon, dis « Thank you. » Non, mais du coup, j'ai fait confiance. Après, ils peuvent chanter le blues. Je connaissais un zéro page wiki. On aurait écouté ça après là. Bon, je fais confiance alors. Parle anglais. C'est votre dernier mot? Il y en a qui parlent anglais. Allez, c'est parti. Pas de pit, quoi. Vous étiez à la tête de 100 000 euros. Vous venez de risquer 52 000 euros sur cette réponse. Ah. Et vos gains s'élèvent maintenant à... Oh là là, beau gosse, hein. Je n'en ai rien de 42 litres. C'est vrai que... J'allais voir ça, attends, du coup. Attends, c'est quoi, c'est le jardin extraordinaire de Charles Trenet. Ah, c'est vrai. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils rebutent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit. Ok. Bah ouais, j'avais écouté, je connaissais pas du tout la musique. Par contre, tu mets du Brassens. Oulalalala, bah alors là, c'est fini. Hein. Ah, pas dégueulasse, ça va. Hein. Vous avez déjà gagné 150 000 euros. C'est un karaoké, ouais, ça vaut. Que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. On a deux jokers, les gars. On a deux jokers. 300 000 euros. On a deux jokers. Je veux garder le 50-50 pour la dernière. Lequel de ces oiseaux est toujours sédentaire? Le perroquet. Non, la perruche. Celle d'hiver.
La perruche. Des blés, perdrix rouges, bécasse des bois. La perruche. Il pose la question sur les JO. Ah ouais, putain. Ah ouais, et s'il pose la question sur les JO, on a la réponse. On a la réponse sur les JO, au moins. C'est en gros, pour l'anecdote, à un moment donné, je faisais un qui veut gagner des millions en tant que Jean-Pierre Foucault, mais tu sais, genre sur Discord. Mais en gros, c'est genre, mais tu sais, genre, en gros, genre, je faisais en mode, genre, c'est moi qui posais les questions aux gens. Et en fait, en gros, à un moment donné, moi j'avais chopé genre les questions d'une vraie émission. N'oubliez pas que vous genre, je m'étais battu une émission, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Bah, perdrix rouge, nous, on l'a vu tout à l'heure, bécasse des bois, je connais. La caille des blés, ça me dit un truc, et sarcelle d'hiver, ça me dit rien. Mais c'est que des noms que je connais loin, tu vois, c'est genre je sais rien. Moi j'irais la bécasse, parce que la bécasse, bécassine, ma copine. Moi j'irais la bécasse, mais c'est vraiment du pif, donc je vais pas piffer. N'oubliez pas que vous avez encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ah, alors par rapport au fait qui met gros nom. Ah, ouais, je sais pas. J'avoue que là, du coup, là tu m'as mis le doute, du coup. Ah, je sais pas, moi je dirais bécasse, mais vas-y, nique sa mère, quoi. N'oubliez pas, vous avez encore deux jokers. Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ta gueule, je sais, putain. Et bref, en gros, à un moment donné, du coup, moi je faisais genre dernière question, mais genre, c'est genre littéralement dernière question impossible à avoir. C'était genre en kilomètres, machin. C'est quoi qui séparait le truc de Londres, machin. Enfin, je sais plus c'était quoi, bref, c'était un vieux truc paumé. Ah, ça veut dire qu'il migre pas. La sarcelle migre, ok. Moi, la bécasse, elle migre pas. La bécasse, elle migre pas, je suis sûr. Prenez votre temps, il vous reste encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. La bécasse des bois, ça migre pas. Je suis quasi pour sûr. Je suis bloqué sur mon dé. Bref, à un moment donné, bref, du coup, genre sur la dernière question, j'avais dit un truc et la meuf m'a sorti. Oui, j'ai vu ça récemment, tout ça, nanana. Bref, bon, c'était cramé qu'elle avait menti, mais au final, je fais, ouais, c'est la bonne réponse. Bref, voilà. Voilà. Bon, sinon, on fait l'appel à un ami. Appel à un ami, ça coûte rien. Allez, on fait l'appel à un ami. Encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Il n'y a plus Sora, c'est bon. Vous avez décidé d'utiliser le coup de fil à un ami. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Oui, je sais. Bah, le dernier coup, la meuf, elle me dit, ah bah je sais. Ça va être qui? Michel. Oui, allô. Ah, Françoise. Sylvie, bonsoir. Ah, Sylvie, non. Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions. Bonsoir, Jean-Pierre. Votre ami n'est plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. Eh ouais, il y a. Il y a tellement de répliques. T'as vu les répliques qu'il y a? Mais genre, il y en a tellement. L'une des quatre réponses proposées est celle que nous cherchons. Lequel de ces oiseaux est toujours sédentaire? Sarcelle d'hiver, caille des blés, perdrix rouge, bécasse des bois? Moi, par les pigeons, je connais pas beaucoup d'oiseaux. Bah merde, hein. Oh non, c'est beaucoup me demander là. Par intuition, je répondrai la perdrix rouge. Oh, je suis pas sûr du tout. Ok, merci beaucoup. Et connasse, putain, mais elle m'a servi rien. Réponse proposée, Sylvie a choisi la réponse C. Qu'en pensez-vous? Ah, mais au pif, super, espèce de pute. T'en as d'autres? Je veux rappeler un ami. Je veux. Attends, je vais appeler un ami IRL, attends. Attends. Attends, je vais me servir de mon coup de fil, mais. Mais IRL, attends. Je suis sur le téléphone, tu vois. Vous jouez pour 300 000 euros, mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Je vais appeler un ami, bougez pas. Attends, j'ai droit à mon vrai coup de fil quand même. Attends, qui je peux appeler à cette heure-là? Ah, je sais qui va appeler, attends. Vous pouvez, je vous le rappelle, utiliser à tout moment votre dernier joker, le 50-50. Allez, j'appelle mon ami. What? Allô mec, je suis en direct avec Jean-Pierre Foucault pour qui veut gagner des millions. Le 55. Bon, Jean-Pierre, hein. Jean-Pierre, il parle. Lequel de ces oiseaux est toujours sédentaire? Sarcelle d'hiver, caille des blés, perdrix rouge, bécasse des bois. Attention, hein, je suis à une question du million. Hein.
Bah, comme. Enfin, du coup. Ah non, 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 je suis loin, j'ai rien entendu. Alors, sédentaire, je dirais que c'est une espèce d'oiseau qui ne migre pas. Oui. Et malheureusement, la sarcelle d'hiver, c'est la seule que je connais et je sais qu'elle migre. Donc, je ne sais pas. Mais sachez qu'une ah, t'es sûr de pas savoir parce que, mec, il y a 1 million. Hein. Imagine si je gagne. Partage, hein. Mec, Ah, moi, je sais pas. J'ai pas de livre en plus sur les oiseaux, frère. Ah, dommage, les 30 secondes sont passées. Bon, bah, écoute, bah, merci quand même. Ouais, de rien, mec. Vas-y, bisous. Allez, bisous. Oh là, putain. J'ai appelé un de mes amis, hein. Il sait pas. Le 50-50. Oh là là, terrible. Bon, bah, voilà. Là, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, il a dit pareil que toi, Kaidumo. C'est trop marrant. Genre, même lui, genre, il connaît que la sarcelle d'hiver. C'est fou ça quand même. Ok, elle avait une voix très sexy. Hein. Utilisez à tout moment votre dernier joker, le 50-50. On est glitch, Jean-Pierre. C'est fou ça. Vraiment, il y avait la, quasiment la même voix que toi en plus. Une aussi grosse bite que toi. Quasiment. Bon, je sais pas, est-ce qu'on claque le 50-50 ou pas? Non mais j'ai envie de le garder le 50-50, j'ai pas envie de l'utiliser. Mais pour moi, genre c'est la bécasse, mais... Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à 2 bonnes réponses du million d'euros. On tente, au pire c'est de la merde, hein, tant pis. Hein. Ou alors on claque le 50-50 maintenant, comme ça au moins on sécure une chose sur deux. On commence à l'instinct, mec. Ah, mon instinct. Bah mais du coup j'hésite, parce qu'en fait genre j'hésite entre la caille des blés et la bécasse des bois. Et moi, mon premier truc, genre, c'était des casses des bois, mais attends. Tout moment, votre dernier joker, le 50-50. J'ai réfléchi, genre, si j'ai pas un truc. Oui, j'avais dit bécasse, de base. Oui, j'avais dit bécasse, mais en vrai, la caille des blés, il y a moyen. Parce qu'en fait, littéralement, là, c'est une chance sur 3. Donc, utiliser le 50-50, ça peut être à double. Franchement, parce que s'il m'enlève. Disposez encore d'un joker. S'il m'enlève la sarcelle. S'il m'enlève la sarcelle. Au final, ça ne servait à rien. Par contre, s'il m'enlève le B et le C, je sais que c'est bécasse des bois. Tu vois le truc ou pas, tu vois? C'est pour ça que le 50-50, je suis mitigé. Parce que je me dis, s'il m'enlève la sarcelle d'hiver, c'est chiant. Tu vois l'idée ou pas? Alors que là, on a une chance sur 3. Donc en soi, dans un sens, c'est une chance sur 3. C'est feeling. Vous jouez pour 300 000 euros. Mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent, attention. Très cher, hein. Là, je sais pas, en vrai, j'en sais rien, parce que, je sais pas, la caille des blés, ou alors la bécasse des bois, je sais pas, en vrai, c'est la bé... En fait, genre, la caille des blés, je sais plus si elle migre ou pas, en fait. J'ai un doute, en fait, genre, j'ai un gros doute, parce que je sais que j'ai vu un truc récemment sur ça en plus. Au moment, votre dernier joker, le 50-50. Je me rappelle avoir vu un truc... récent sur la caille des blés, mais je sais plus si ça parlait de migration ou si justement genre s'il disait qu'elle migrait pas. Ah, ok, des blés. Ah, je sais pas. Ah, ou alors 50-50. 50-50 ou pas? Ah, j'hésite en vrai. En vrai, 50-50, ça peut être bien. Parce que genre si ça m'enlève deux réponses autre que le A, c'est bien en vrai. 50-50. J'hésite. Ah là là là, j'hésite. Je suis foutu, je suis mort. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait quoi? 50-50 ou pas? Ou alors j'y vais grosse couille, je suis en mode vas-y pique-nique douille, tu vois un peu. Alors ça se trouve. Vous jouez pour 300 000 euros, mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est soit grosse couille, soit pas grosse couille, je sais pas. Ah là 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 là, c'est compliqué là, putain, à une réponse du million, ça me ferait chier de rater là, tu vois, franchement. Pile ou face. Enfin, un pile ou face. Vous jouez pour 300 000 euros, mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Non, j'ai pas une pièce sur moi là. Oui, une petite pièce. Là. Attends. Tombé sur pile.
pouvez, je vous le rappelle, utiliser à tout moment votre dernier joker, le 50-50. Les dés ont parlé. Mon mignon. Vous êtes sûr de vouloir répondre à cette question? Oui, Jean-Pierre. Attends. Enfin, 50-50. C'est le mieux, c'est notre ami. Moi, je t'en ai mais je m'en fous. Si c'est pas ça, tant pis, j'arrête. Si vous m'avez donné la bonne réponse, Jean-Pierre, vous ne serez plus qu'à une seule question. Jean-Pierre, million. Jean-Pierre. Malheureusement, cette réponse non. Est fausse. Et vous, c'est la bécasse. 48 000 euros. Je suis désolé, car vous c'est avez la bécasse. Vraiment bien joué jusque. C'est la bécasse. Oh, c'est la, c'est la partie rouge. Vous repartez avec 48 000 euros. Bravo. Ah là 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 là. Jusqu'au bout. Alors, n'hésitez surtout pas à revenir nous voir pour une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions. Ah là, bah c'est tout. Hein. Ah là là là. Ouais, bah, la perdrix rouge, ouais, si je connais, mais je savais pas que ça migrait. Enfin, je savais pas que c'était sédentaire. Ah là, bah c'est tout. Hein. Bon, allez, on s'arrête là parce que j'ai dit que j'allais arrêter. Mince souris. T'inquiète, Patrick. T'inquiète, Patoche. Ah là là. Ouais, en plus, ouais, il y avait aussi sur YouTube. Il me disait caille des blés. C'est caille des blés. Ah, c'est pas grave. On tentera ça une prochaine fois. Ah, mais c'est cool, ouais. C'est bien. Putain, ouais, je devais juste faire un. J'ai le goût de la perdrix. Vas-y, je vais regarder ça aussi. Attends, la perdrix. Perdrix rouge. Ouais, donc ça de visuel, je l'avais. La perdrix rouge, je l'avais bien de visuel. Ça va être sédentaire ou migratrice. Mais putain, mais merde. Tiens, t'as rien. Faut que j'aille voir. Attends, bécasse des bois. Faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est un petit oiseau, ça me semble. Ouais, donc ça, la bécasse des bois, je m'en rappelle bien, ouais. Ah, mais putain, mais la bécasse des bois, mais je sais où je l'ai vu. C'est le truc qui fait. Comme ça, là. Qui fait un petit bruit. Ah, mais putain, mais c'est pour ça que j'avais vu récemment, putain. Ok, et du coup, c'était quoi après? Il avait dit, attends, la bécasse des bois et la caille des blés. Caille des blés. Pareil, de ça aussi, ouais. Ça c'est un petit oiseau aussi, ouais. Donc ça aussi, donc ça je connais ça. Oh là. On allait sur les Google, hein. C'est beau ça. Par contre, j'ai pas les sons de la perdrix, j'ai pas les sons de la bécasse des bois. J'ai que le son. Et c'est quoi du coup le truc d'hiver là? Ah, comment il met. Ah, il met les. Il met les crédits du jeu du coup. C'est quoi le truc toi David? Machin d'hiver, c'est quoi déjà? On a un petit poussin là qui a des blés. Ouais, c'est tout petit. Sarcelle d'hiver. Ouais, j'aime bien en vrai. Ah, ça ressemble à ça. Wouah, putain, ouais, d'accord, ouais. Ouais, toi, on dirait une sorte de canard en fait. On dirait une sorte de canard avec une tête colorée. Ah, c'est un canard, ok, d'accord, ouais. Ok. Ah, bah c'était sympa. Bon, c'était bien pour finir le stream. C'était sympa pour finir le stream, quoi. Hop. Bon, bah voilà. Eh ben, oui. Bon, ça refera. En vrai, faudra se. On est sans faire de temps en temps comme ça, je trouve c'est cool. Puis c'est bien, en vrai, c'est un peu genre le milieu de la culture. En vrai, j'hésite à m'acheter c'est celui sur Steam, là, le dernier qui est sorti, mais en vrai, je le trouve pas fou. Le dernier qui veut gagner 10 millions, là, celui. Ah, celui qui a l'étoile fait. Celui qui a l'étoile fait, en vrai. Après, les questions, elles ont l'air pas mal. Les questions, elles ont l'air cool parce que je sais que, genre, qu'il y a des questions. Il y a des questions sur les animés, sur les jeux, tout ça. C'est en promo avec les soldes. Bah là, il est pas en promo. Il est pas en promo, mais il est pas cher non plus, quoi. Genre, il y a 7,50€. Donc, bon, ça va, ouais. Ah, si, dans ce jeu, t'es en réduction au prix de 7,50€ lors des 30 derniers jours. Normalement, il est à 30€.
Ah si, offre spéciale, si si, j'ai pas vu. Je fais genre, ça fait une heure que je dors, ouais, je m'en doutais. Hein. Ouais, en vrai, ouais, ah, j'avoue, en vrai. C'est quoi le délire? Mec, genre, il y a un season pass quand même. Hein. Le season pass, c'est quoi? C'est Géographie 2. Ah, mais il y a de nouvelles questions qui arrivent. Ah ouais, ah d'accord. Il y a quoi, donc là, il y a eu les films des années 90. Les jeux de la PlayStation. WWE DLC. Les conquêtes spatiales en DLC. Les films américains des années 80. Les jeux Nintendo, les jeux Microsoft. Les films américains des années 70. The Smurf, The Smurf DLC, encore. Et après, il y a le Tintin DLC. C'est écrit Tintin, on fout. Ouais, j'hésite à me le prendre en vrai. Je me dis, ouais, franchement. Bon, le Season Pass, bon, je vais pas le prendre parce que je m'en fous, mais. Season Pass de qui veut gagner les millions, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, ouais pourquoi pas, ouais. Ah, c'est dans 50, ça va, tu vois. Ça va. C'est à moi le choper moins cher, attends. Je me tire aussi, ouais, vas-y, bon, je me tire aussi, vas-y, je vais couper. Ouais, bon, des bisous. Bon, c'est bien, en tout cas, c'était cool. C'était marrant. Alors, pour pas gagner. Ah ouais, pas loin, quand même. Hein. Pas loin, deux fois, ça. Ah ouais, ça va, hein. Hey, t'as, j'ai pas vu 47 vues sur YouTube. 47 vues sur YouTube, ça fait ça, quand même. Hein. En stream, hein. C'est beau, ça, putain. Oh là. J'aurais dû tricher, j'aurais changé de sexe. C'est bon. Il a fallu tricher, non mais c'est pas grave. Il vaut mieux perdre avec son honneur que gagner avec son desnoseur. Comme dirait l'autre. Ah bah c'est cool en tout cas, c'est cool. Bon ouais, bon allez, bon je coupe. Inch'Allah, on se recroise bientôt. Bah du coup dimanche. Dimanche après-midi pour Baldur's Gate 3. Et je vais le stream avec les autres. Bon bah ceux qui sont pas sur petit follow, petit abonnement, n'hésitez pas à vous abonner, petit follow sur la chaîne petit follow sur la chaîne Twitch ou YouTube ou Kick, s'il y a des gens sur Kick, mais bon, Kick je fais vraiment ça au petit feu. Et puis voilà, hein. Voilà, bon allez, coupe YouTube, bisous. Bisous YouTube, à la prochaine. Hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, hein. Discord, hein, pour toi. Allez. Hein. Hop.